Bah du coup bonsoir YouTube, bonsoir Twitch. Bonsoir YouTube. On est reparti pour la suite. On est dans... Comment s'appelle cet endroit? Je sais pas, le cœur de l'arbre-mer. Ouais. Enfin on a le cœur de l'arbre-mer en face là-bas en tout cas. Qui bat. Avec une héritière elfe devant. Ouf, elle est vénère en armure magique. Ouais j'avoue. Ouais. Bon, bah c'est lui. Guide-nous. Yes. Bon bah c'est parti. On va affronter ton destin. Je suis à la limite de me dire je reste là si ça part en sucette pour avoir une position. Ah. Voilà. Je vais quand même descendre. Ah. J'ai été bloqué. Je vais voir si elle vend déjà. Montre-moi tes poches, de vin, une toque. Ok, au revoir. Ah merde, faut que je rouvre le dialogue. Et tout, je sais plus. Ah oui, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. C'est bon, de toute façon. Je suis l'héritière de l'arbre mère. Mon cœur parle à travers moi. La mère vous a fait un don à travers ça et là, une partie de son pouvoir. Mais à présent, elle est souffrante et elle a besoin de votre aide. Alors, ok. Zébi, vous êtes de retour. J'ai beaucoup à vous dire, mais d'abord, la mère a besoin de vous. Elle est en danger. Une ombre la pourchasse. Vous devez nous en débarrasser. Servez-vous de vos dons si particuliers. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'ombre? Le prince des ombres se trouve sur cette île. Il cherche à nous exterminer. C'est le maître de la maison des ombres. L'incarnation de nos pires cauchemars. Vous le connaissez, c'est lui. C'est lui que vous appelez le maître. L'heure de la vengeance a sonné. Vous devez mettre un terme à sa vie et m'apporter son cœur. Le prince des ombres est mort. J'ai dévoré son cœur. La mère est en colère. Elle désire le cœur de son ennemi. Oups. Ah, pardon, Boulette. Vos actions sont source de grandes douleurs pour la mère. Vous tourmentez tous les elfes en refusant d'accomplir votre devoir. Et ce faisant, vous vous tourmentez vous-même. Ah, moi, ça va bien. Mais voilà aujourd'hui. La mère vous pardonne. Il est temps pour vous d'accomplir votre destin. Vous êtes la première héritière, la fille de l'arbre. Vous êtes celle qui le remplacera. Il vous faut vous enraciner à présent. L'arbre mère est souffrant. Sa mort est proche. C'est l'heure. Les elfes ont besoin d'une nouvelle mère. Ils ont besoin de vous. Prenez racine, Sylvie. La mère l'exige. Alors tu vas devenir la super maman. Bah ouais. Oui, en fait, en gros, tu meurs, quoi. Enfin... Ouais, c'est ça, je meurs à son profit. Mais du coup, tu me disais que... comment que c'est vraiment, limite, on extermine les autres races pour la suprématie des elfes, quoi. Attends, je vais essayer de retrouver, mais... J'avoue, c'était... je peux pas te faire une chronique, là. C'était chaud. Le prince des ombres, Dark Sasuke, ouais. Ouais, attends, peut-être que j'ai mangé sortir... son cœur. En attendant 6 heures, je pourrais vous le redonner. Est-ce que tu peux sortir du dialogue Pizzi et lire les updates de quêtes? À quel niveau? Ah, mais voilà. Je sais pas si vous allez la voir vu que c'est ma quête à moi. Ouais, non, moi c'est mon histoire. Hein, dans les chroniques, y a pas, ça parle pas des. Non, je sais pas, c'est bizarre, j'avais l'impression pourtant qu'il y a eu plein de trucs de quêtes. L'avenir des elfes, peut-être? Non. Peut-être, ouais, j'en sais rien. Bon, je vais la retrouver. Non, c'est par rapport à Alexandar et Yufan. L'histoire de... Brouillard mortel et tout. C'était quand on avait fait, on était encore... On était encore vers Flotte Bois. Il y avait une histoire avec une partie de ta quête qui était là-bas avec des. Avec les elfes. Bah, je vais mettre. Je me souviens à quel point l'arbre mère pouvait être étouffant, je ne suis pas sûr de suivre cette part. You can be better than her, greater than her, but you must accept.
Enfin, regardez un truc. Ah oui, il y avait un truc comme quoi posséder les elfes et tout ça. Il y avait un problème à ce niveau-là. Oui, oui, mais d'ailleurs, en plus, il y avait plein d'autres héritiers, parce qu'en gros, vous devez... C'était en gros un vivier de personnes qui étaient prêtes à les sacrifier pour faire les elfes, quoi. D'être capable d'être meilleur qu'elles. Mais pour cela, vous devez. Ok. Je ne suis pas d'accord. Je me souviens de ma vie sous l'influence de l'arbre mère. Seule sa destruction peut délivrer les elfes. Première. Il a trahi son peuple. Enfin, elle a trahi son peuple. Forte et l'écorce, faible et la chair. Même ce cœur mourant vous réduira en charpie. Moi, c'est pas ma guerre, hein, colonel. Oh là là. Oh non. Ah, les totems là. Ouh là 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 là. Oh, ils ont pas d'armure. Là. Ouais, mais s'ils nous tapent. Attention, bagarre. Ouf. Eh, c'est moi qui fais ça d'abord. Moi je dis, c'est pas ma guerre. Hein. On regarde pas vos histoires. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté des elfes. Tu ne combats pas pour la liberté. Combat. Bon bah voilà, c'est Bill la traître. Ouais, bah, c'est Bill la traître en même temps, je veux dire, un sort pire que la mort, et puis en plus, perpétuer. Tuer ce cycle d'asservissement envers l'arbre mère, c'est chaud quand même. C'est bien une elfe, tu vois. Bon, toi, c'est bon. Physique, bah, ma créature va se faire par terre. On sait ta position. On connaît. Dis toi-même, tu sais. Beaucoup. Il y a déjà du feu partout, c'est bien. Ça ne change pas. Nuage de feu. Le temps d'être content, c'est déjà le bordel. À part déjà en cacahuète. En même temps, on se met tout le monde à dos, mais franchement. Ouais, on a pas beaucoup de copains. Et nous contre le monde, hein. Oh, tire dans le dos. Dévoyard. Bifan, il était pop là. Allez, salut. Je vous laisse entre vos bagardes. Démerdez-vous. Non, je suis là. Yeah. Moi, je suis nu, j'ai pas de point de sens. Bon, pour peu que je l'utilise. Il nous motive. Allez, les gars! Bah, ouais, parce que là, vu l'armure magique qu'elle a, je me dis. Viens sur les appuis! Oui, 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 moi je vais aller la pimper. Elle est sensible au feu, mais en plus, elle est résistante à l'eau. Je pourrais la taper en foudre éventuellement. Je fais un petit piqué du Félix sur sa gueule. Après, je me dis, si mon, c'est ce truc, j'aurais accepté, ça fait mourir mon perso, voilà quoi, j'ai... Ouais, c'est... Je sais pas trop, on pourra regarder après que ça faisait exactement. Je pense peut-être que tu partais du groupe, et que oui, tu meurs, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Minotaur dit, ouais, là, clairement, il y avait trop de verre pour pas que vous y foutiez le feu. Non, mais oui. Bien sûr. Obligé de cramer. Alors moi, je manipule l'eau et l'air. C'est pas moi qui fout le feu, mais... Moi je fais la terre. Ah c'est moi qui laisse, hein. Surtout qu'à ouais, moi. Ouais, ouais. Disons les choses, hein. Mais genre pourquoi tu me tapes moi? C'est ça qui pique. C'est un coup pour tout le monde. En vrai Henri, si tu... Ouf. Ah, oui. Hey, c'est moi d'habitude qui fais ça. Hop là. Ok, oh le beau gosse. Sans sourciller. Bah, en même temps, elle l'a fait, elle est conne, elle l'a fait alors que ouais, donc Henri, si tu peux faire le buff d'armure autour de toi là, vu qu'on est tous autour, franchement ça serait parfait. Ah ouais. Oh, moi elle m'a niqué mon armure physique. Bah ouais, on a tous pris cher au niveau de l'armure physique, c'est pour ça que je dis ça. Alors, lis bien, si c'est ce que tu cherches à faire, lis bien. Allié proche, c'est celui-là, c'est torsion. Je te trompe pas. Je tords le métal. Voilà, merci. Oh, y'a merde, Darklo, elle a pas eu. Ah, mais moi j'ai un truc pour me remettre de l'arbre physique à moi. Et... T'es un peu loin. Moi, je continue à booster, hein. Je suis un maître Pokémon, hein. Non, après Canette, tu peux. Pokémon de Rivellon. Non, après Canette, tu peux continuer à jouer un arbre. Ton attaque photosynthèse fera des ravages. T'as
tu es un Pokémon, ça, je crois. C'est vrai que c'est assez paradoxal que tu sois pyro machin, ouais. Et que t'es une elfe. Ouais, je viens d'y pousser. On meurt là derrière moi, là. Ah, j'ai tué l'autre avec non, bon, on a fait du feu béni, c'est trop bien. Ah, bon, ah ouais. Le personnage est protégé contre les dégâts de feu, résistance de feu 20%. Oui, comment j'ai fait ça? Ouais, c'est bizarre, comment ça se fait? J'ai fait une vague de poison, ça a fait ça? Apparemment. Ok. Je ne comprends plus rien. Pas compris, avant c'était quoi? Ah non, il n'y a pas de feu là avant, il n'y avait rien. Mais oui, mais David, pour bénir, il ne faut pas balancer un truc avec la source, je crois. Ouais. À moins qu'il y avait un truc de. Une vague de source et tout ça, et du coup ça a béni. Ah, moi j'ai fait. Ouais, j'ai fait fléchette empoisonnée, et quand ça pète, ça. Ah, fais gaffe. Ça fait du poison, toi. T'as bien aimé, hein? Mmh, c'est ça. Ok, bon, écoute, j'ai fait du feu béni, je sais pas tout ça. Mais c'est bien. C'est magique. Je suis rayonnant. Oh, ils se soignent les deux têtes. Ils se soignent entre eux. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ouais, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un là-bas. Oh, c'est que des totems, hein. S'en fout. C'est que des totems, je pense, tant qu'on les approche. On l'a foutu, c'est ah, c'est du bon. Poison béni, c'est parce qu'en fait, t'as foutu du feu à poison béni et qui applique régénération. Mais à la base, qu'est-ce qui était béni avant? Moi, ça bénit pas, mon truc. Bah, le béni, c'était le poison, en fait. Bah, non. C'était pas ça, non. Par contre, je vais quand même bien baisser son armure. On a détruit les pousses de l'arbre mère. Les pousses de l'arbre mère, ça fait du poison. Ok, d'accord. Il y arrive. D'accord, j'avais pas pigé. Aïe. Moi, je vais te taper, toi, là-bas. Cléatoul. Bah, tu vas le taper. Ouais, faut que je bouge. Ouais, je te bloque un peu, là. Ou alors je fais comme ça. Ah ouais, ça a marché. Alors monte. Tu peux lui mettre ton arbalète sur la nuque. Je vais peut-être attaquer plutôt les totems, moi. En vrai, tu peux les one shot donc. Ah oui, poison béni, moi j'avais pas compris. Comme moi j'ai fait. Ah, ça a pété, d'accord, ça a pété, ça s'est mélangé au fond. Moi j'avais pas vu qu'il y avait des cons derrière. Ah ouais, c'est ce que je disais, ouais, il y a des mecs tout en haut, enfin des mecs des trucs. Ah ouais. On dirait des. On dirait des Groot. Ah, ils ont pas d'armure physique, laissez-les-moi. Attends, des mecs, vous dites? Ouais, tout en haut, t'as pas vu, il y a trois. Ah oui, non, ouais, j'avais vu que les totems, d'accord, je pensais que vous parliez des totems. Ah, c'est des Groot. Dryade de l'arbre mère. Ils ont zéro arbre physique, c'est parfait. Oh bah, j'ai fait un coup critique, c'est nickel. Ah, j'ai pas vu lui là-bas. Alors, le fou, qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais essayer de monter pour. Mais pourquoi ils ont pas joué depuis le début aussi? Non. Est-ce qu'ils pop à la fin? Ah, si, ils ont du pop à un moment donné. Parce que maintenant, ils ont un destructeur d'initiative. En plus, ils sont en hauteur, c'est des saloperies. Ouais, je suis limite, je vais changer une place avec eux. Mmh. Bah, enfin. Ouais. Avec un des deux. Ils sont peut-être un peu loin, ouais. Mais c'est quoi tout ce qu'elle a, ta créature? Elle a du foudre, de la foudre jaune, du. Ah bah, là, tout, là, j'ai tout mis, hein. j'ai tout balancé. Mais où t'es recouche, toi? J'y suis devant ta créature. Mais non, super saiyan. Ouais, c'est vrai que non, je suis où? Mais non, t'es où? j'ai pas fait gaffe où est mon personnage. Je suis dans ta créature. Ah, c'est pour ça. Bah ouais, je vais pas faire de miski que je juste derrière en fait. Vraiment juste derrière. Je voulais être refilé de l'armure physique, bah je peux pas. Bah tu peux en cliquant sur la tête dans son sur le cadre Henri. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, je voulais faire amitié d'abord, ouais, et après remonter. Ouais, tu peux en cliquant sur le cadre. Ah bah oui, je suis bête. C'est quoi ta tête à toi? C'est loose, toi. C'est bien que tu t'en souviennes maintenant. La question. Après 50 épisodes bientôt. C'est ça. Ah, il y a une grosse. Le con. Et je vais aller vers le totem, moi je vais déjà m'avancer. Il lui pétait sa gueule. Ah, c'est bon. Je vais pouvoir la re-renverser par derrière. C'est cool. J'ai quand même demandé si t'es qui, moi. Tu joues qui? Mieux vaut tard que jamais, hein. C'est quoi ta classe un peu? Ah, mais ils sont trois, j'avais même pas vu. Bah, font rien, par contre, ils ont des lances. Le problème, c'est que si je change ma place avec
un des deux, je vais me retrouver au milieu de deux autres, donc bon. Ah non, ils ont des arcs. Il y a deux qui ont des arcs, il y a qu'à... Vous attaquez quoi? Faire la bagarre. Peut-être qu'ils ont attaqué mais qu'on n'a pas fait gaffe. Non, ils sont pas encore dans le... Ah, ils sont pas dans le temps de combat. Moi, je les vois en haut maintenant. Enfin, ils sont en rouge sur un minimum, mais tu vois, quand tu vois sur... Ils sont pas... Si, ils sont dans le tour de... Ça y est. Ah oui, c'est bon. Ah oui, je les vois, d'accord. Il y avait un tour de... pour attendre. Quoi. Oui, je vois leur portrait. Là, parce que... C'est bizarre, dis donc. Ah, je chie. Ah, en plus, ils sont trop loin pour les avoir. J'irai les chercher, enfin je monte pour péder le totem. Oups. Pas fait gaffe à ça. J'ai fait des feintes de caste de sort. Donc t'es mieux tu téléportes un qu'un arc. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Moi je disais, vaut peut-être mieux que tu téléportes, enfin, si c'est ce que tu comptes faire, celui qui a un... enfin, ceux qui ont un arc plutôt qu'un mec à la lance. Ouais, comme ça ils auront pas les bonus de... Ouais. Voilà. Comme ça on pack un peu tout le monde, ils auront pas la hauteur. Des nuages de sang béni, j'ai l'impression ça. Y'a que le heal qui est avec moi. Enfin le heal, le mage, le healer. Ah, tous les deux renversés, allez! J'arrive. Ils ont pas mis PV aussi. Ah, ce que je devrais faire, c'est que j'ai vu que j'ai un PA qui reste à chaque fois, que j'ai essayé de leur empiriser de la source. Le problème, c'est que je me suis un peu éloigné de vous pour vous soigner ou quoi. On va se rapprocher. Est-ce que je vais en faire d'autres pour rester là? Salaud. Attends, il est viré. Ah, attends, sur le. Il a viré moi. Oh, oh bah nice. Bonne question. Oula non. Oula, ça fait du poison. Ah ouais, putain, ça récolte zéro. Oh. Alors, tire au montrail, il faut surtout pas que vous entrez dans la zone. Quoi? C'est quoi ce truc là? What? Elle a invoqué un truc. Je l'ai raffamé. Oh là là, non. Holy shit. Bon, bah, tu vas mourir, salut. Je vais pas mourir, moi, tu me prends pour qui? Ah oui, mais je l'ai ce sort. Enfin, je l'ai, j'ai jamais utilisé, mais je crois que je l'ai jamais appris. Oui, faut raffamé, surtout pas qu'on rentre dans cette. J'ai pas vu cette hauteur là. Je vais peut-être la prendre, Fleur Affamée, pour le coup, ça a l'air stylé. Ça a l'air ça fait un cool. Autre Pokémon à invoquer, quoi. C'est ça, ça a l'air bien cool. Le problème, c'est que si je fous ça là-dedans, vous allez... tout le monde prend. Ouais. Alors, si, Bulbizarre en théorie... sauvage, moi, ah, c'est plus gros qu'un Bulbizarre, là. Là, c'est... un... Rafflesia, ouais, Orchid Rafflesia, là. Il y a poison, plante poison. Tout le but bizarre. Ah, surtout nuage, donc ça bloque en plus la vue. Ouais. Non, moi là honnêtement, je peux mettre un piège de feu où il y a que les aimés, mais le problème c'est le nuage de poison, je sais pas ce que ça va faire quand ça va péter. Ah oui, ça va péter, oui. Il va péter. Ouais, il va enflammer la zone. C'est comme s'il y avait du gaz et que tu jetais une allumette, quoi. Ça va tout péter. Mais on est rien que tout le but bizarre. Je sais pas où est la tête. C'est pas Bulbizarre, il est plante. Là, lui, il est poison, lui. Ça, je vous dis, c'est. Orchide. Une petite popo de armure physique. J'avoue que Pokémon, enfin, je dis encore, je connais, c'est la première génération. Qu'est-ce que. Ah, c'est elle qui s'était portée à la conne. Ouais, elle va venir nous faire chier. Pluie. Pluie de sève. What the fuck? Ouh, ça fait du feu. Oh, ça fait du feu sacré. Oh là là. Ça guérit. Pluie de sève. Oh non, elle la régène. Oh la sang. Ok, donc c'est la healeuse. Oh, il faut la virer celle-là. Bon, on part sur un combat de 2 heures. Oh là là. Vu que ça se heal et tout. Bon, bah moi je vais essayer de lui péter sa gueule à celui-là. Parce que c'est. Ah ouais, oui, il faut. Je tape en physique. Il faut. Je peux pas tirer en l'air, je crois.
Ah si, oh, je peux. Ah, mais, ah non, mais sur ta physique, ça. Crochet rempli Petrov, ils sont... Petrov, les dégâts sont basés sur le... Ok. C'est officiellement le bordel sur cette map. Je sais plus. C'est horrible. Je sais plus, est-ce que vous vous rappelez si mes attaques de pétrole, c'est du physique que ça attaque? Normalement, oui, c'est de la terre. Je crois, hein. Ouais, c'est crois, de la terre. Poison, c'est magique, mais ouais, pétrole, c'est physique, je crois. Ouais. Ok, bah ouais, je vais déjà lui jeter une boule dans sa planche. Tiens! Voilà. Ah non, c'est attaque magique, ça a attaqué la magie. C'est attaque magique. Ah bon, ah putain, c'est pétrole, c'est attaque magique. Okay. Alors peut-être terre. T'as pas un truc pur terre? Toucher, empalement. Armure physique, ah ça c'est physique. Tiens. Okay. Oh là là là. Le combat va être un petit peu longué. Oh non, je suis renversé. Bah super. Ah, mais attends, mais j'ai de l'armure, encore de l'armure physique et magique, mais ça me renverse, je comprends pas. Invocation de tronc empoisonné. Allez, tous des Pokémon. Oh putain. Non. Un petit arbre. Oulala, là, 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 il là, a touché là, là, là. Sa maîtresse, je crois. Ah non, je suis pas renversé, oui, j'ai eu peur. Bon, je vois rien. Ah là, c'est le bordel, hein. Que fais-je? La règle d'or, c'est de péter la gueule aux invocateurs aussi. Hein. Ouais, j'ai là, pas trop des invocations. Je vais renverser déjà la dernière. Transporter quelqu'un en poulet. Bah, en vrai, ah la ouais, healeuse. Ouais, mais faut qu'elle ait plus d'armure, quoi. Physique. Tu peux taper en physique, les. Non, mais pour transformer en poulet, ça c'est passe. Ça permet d'y résister à la ronde physique. D'accord, ok. Bah, tu peux transformer l'héritière éventuellement. Ouais, je tente. Alors, il y a rien de ma créature. Sinon, tu peux pas juste taper. Poulet, c'est poulet. C'est une poulette. Voilà. Tiens, je voulais regarder à voir. Vampirisation. Est-ce que je peux la vampiriser? Pas tant qu'elle est pas morte. Ah si, peut-être. Cible non valide, cible non valide. Bah, il me semble que des PNJ nous l'avaient fait quand on était vivants. Non, ouais, ça, mais ouais, ça me met cible non valide. Ah. Du coup, attends, poulet. Avec forme de poulet pendant 2 tours. Ok. Mais franchement, j'ai l'impression qu'en tant que mage, on n'est pas avantagé. Il y a beaucoup de trucs qui ont souvent plus d'armure magique que physique. Là, c'est chiant. Genre là, ils ont tous plus d'armure magique que physique. 400, 456. Toi, Canet, tu la gères, celle qui est avec toi, non? Pense. Ouais, ouais, je vais la renverser, puis je vais tenter les trucs. Ok. On va créer, faut peut-être que je la ramène de chez Pitié. Ah, oubliez pas la dryade de l'arbre. Oh non, il m'emmerde lui. Mais je suis à ton fais que ça lui. Mais je joue quand moi? Bah, t'étais renversé aussi. Bah non, non, je t'ai pas renversé au final. Enfin, j'ai encore de la main physique et magique, donc comment j'aurais pu être renversé? Je sais pas, j'ai pas été renversé, j'ai vu ton truc, j'ai vu ton perso tomber donc. Ouais, mais au final, j'ai regardé, il était pas tombé, à la moins que ça avait passé le tour entre temps et qu'il se soit relevé, mais. Ouais, peut-être. On est d'accord que pour être assommé ou renversé, il faut que ça passe. Oui, l'armure physique. Voilà. Mais vu que j'ai vu ton perso tomber comme ça. Ouais, par contre, vu que t'es dans de l'acide, t'es en train de perdre ton armure physique. Ouais. Ouais, pour l'instant, j'en ai un corps, donc j'aurais pas dû être renversé. Je vais taper le poulet en fait. Comme ça aussi, je reste là, comme ça, l'os, tu prends pas de. Je vais faire ça avec ma créature. Je vais faire ma levée de bouclier en prochain tour. Ouais. Et un poulet. Il est malade. Et encore poulet. Il est malade le poulet. Vous voulez mourir le poulet. Ouais, non, il est fou. Parce que c'est ton perso de quête. Malheureusement, faut... sinon ils vont la régénérer à l'infini. Ouais. Alors. Toucher le poulet d'ici là. Toi. Yes. Ensuite. Il a eu des coups de pied dans sa tête comme ça. Oh la vengeance. Tiens. Je veux pas devenir votre arbre. Faut juste. On rien à foutre de votre arbre. C'est clair. Je peux tenter un combo pour vous mettre cher à la perso qui est avec moi. Bon, je peux peut-être tuer le poulet. Comme tu veux. Moi je suis devant, je crois, avec ma créature. Je suis pas devant. Et le poulet il est au pied de ma créature. Je sais pas si ça fonctionnera. Invisible. Oui.
T'aurais dû faire l'inverse, non? T'es plus invisible là, j'ai l'impression. Quoi? Que ça? Bah, t'étais plus invisible, hein, Kenneth. Hein. Ouais, mais même des dégâts de base d'assassinat sont beaucoup plus élevés, même sans être invisible. Mais honnêtement, je savais pas que faire un sort me sortait de l'invisibilité, donc. Oh! Bah, ok, le poison ça les guérit, super. Ah, ouais, poison béni, du coup, ouais. Ah, bah oui, 200%, oui, bah oui. Ah non, c'est même pas question de poison béni, c'est juste que. Papa attaque poison, ouais, 200%. Ok, bah tu te casses encore plus, moi je vais abandonner, je crois, avec le nain, je vais pas courir un peu. T'as fait un totem de poison, Henri? Ah, oui, merde, bah ok, je pensais que j'étais sur le. Oh, le con. Mais attends, je touche. Oh là, ça peut être beau ça. Non, c'est du feu quoi? C'est du feu normal. Non, c'est plus du feu normal, c'est Moji peut-être. Bah, juste pour le kiff, ça va être stylé ça. Ah, ça me. Bon, c'est pas grave, juste pour le kiff, comme je dis. Ah, je touche à peu près tout le monde. Ceci était pour le kiff. Annonce. Ah non, mais c'est bon. Tranquille un peu, non? Ouais, top. Oh là là, non. Ça va être tout pour toi. Marc. Bon, qu'est-ce que je fais? Ça va être tout pour moi, sauf que moi je vais me barrer. Hein. Bientôt j'ai le switch de position, ouais. Là. Tu me le poulet, sinon, si tu peux. Il est au pied de ma créature. Ah, la connasse! Elle est pas morte? Ouais, il lui reste 243. Attends, elle est où? Ouais. Juste devant ma créature, juste devant ma créature. Écoutez comment elle a bien réagi, celle qui m'a marqué là, parce que j'ai fait. Comment ça s'appelle? Esquive sans naturel. Je trouve son portrait parce que. Ah, okay. Donc ce qui m'a donné plus 90% d'esquive, et elle m'a mis une marque qui me met moins 100% d'esquive. Donc super. D'accord. Super, nickel. Gans! Nice. Tous les morts. Bon, alors. Les totems sont encore debout par contre. Alors, qui c'est qu'il faut taper? Je vais taper le tronc d'épine. En vrai, moi je suis un peu en. Merde. Ouais. Il y a du monde autour. Je vais mettre du temps à venir. Tu veux que je te rejoigne? Bah non, mais si, sauf si c'est trop compliqué. Moi, je peux mettre. Mais je suis un peu isolé, j'en ai deux de face à moi, j'ai la troisième qui est pas loin non plus donc. Bon, je vais mettre mes ailes. Hop. En vrai. Secourir Ivan. Bah, surtout que c'est là où il y a le plus de monde à taper aussi, hein. C'est pas que pour me secourir. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète. Le canette il a déjà face à lui. D'ailleurs, moi je vais aller. Te rejoindre tout de suite, mais je peux me rapprocher. Bah, sauf si t'as. Tu veux aller aider canette sur son adversaire. T'as quelqu'un près de toi? T'es où, canette? Ici. De côté, hein. Moi je peux aller des canettes et puis après je te rejoins vu que je suis en haut. Moi c'est peut-être plus qu'elle plus de bois. Comme tu veux. Moi je peux tempo, hein, je peux. Bon, lever en fait, bouclier, truc, je peux crier au mec. Attends, je vais vous montrer. Je peux, avec mon vol, aller là. Ouais, voilà. Et après il faudrait que je fasse, que je monte avec les PA qui me restent. Quoi. D'accord. Ou alors je fais un piqué du phénix par derrière. Ouais, je vais combiner ça. On peut rejoindre. Nice. Boum. Et normalement, j'espère que ça peut marcher. Tu peux pas retrouver le personnage de DC Comics qui a des ailes de réseau. Voilà. Qui ressemble à tout perso. Ah, ça fait pas du feu normalement le piqué du phénix. Bah si. Ouais, c'est bien sûr. On dirait ça aurait tout fait péter avec le poison. Ouais. Ah si, ça en a fait au sol là, mais. Un peu. Mais ça fait pas péter le poison, c'est trop bizarre. Est-ce que j'échange ma place avec le nain, avec la créature? Comme ça, la créature est plus proche d'aller taper celle qui est au haut. Je prends pas sur ce tour-là non plus, je pense. Taper le totem du poison? Non, elle. Ah oui. Que mon nain, il va mettre 20 ans à y aller. Là. Ouais. Ouais, je tentais ça, je l'inverse les pouces. Ouais. Bon, Henri, pas de poison, hein. Ouais. Je dois tuer le reste pour aller devant elle. D'ailleurs, si tu peux démanteler ton totem là, parce que ton totem va les soigner, quoi. Je sais
sais plus si je peux désinvoquer comme ça. Non, je pense pas. Mais... Je sais pas. Ça fait chier. Ça dépend s'il est à portée ou pas. Si, ah si, je dois en invoquer un nouveau pour le faire, mais attends, parce que je crois pas que ça fait. Ah, bon, merde, là, c'est comme ça. Ah oui, dans un tour, je peux invoquer un autre totem, donc je pourrais le revenir. Bon, ça a piqué un peu là. Oh là là. Ils se soignent entre eux en plus. Fais gaffe, Canette, hein. Ouais. Comme toi, hein. En fait, Canette, peut-être que tu te barres de ce petit bois tout seul, peut-être, je sais pas. Tu... Ouais, yep. Tu remontes ou. Puis là, tu vas prendre les trucs de l'arbre et tout. Ouais. Ah, t'as un poison béni, ça te guérit. Ouais. Et moi, il faudra que je sorte mon main derrière la couche. Ouais, contrôle. Ouais, j'ai coché le contrôle. Attendez un peu. Ok, bah attends, écoute. Mon ch'tinin. Bah, il est canette, peut-être. Je sais pas. Je vais aller vers canette, en effet. Je crois pas, mais il y a l'arbre qui va me faire chier. Là. Ouais, le tronc, hein. Wow. Je sais pas si c'est le poison qui m'a reposé, mais du coup, ça fait tellement du bien. Qu'il arrive. Ah, c'est ton. Ah, mon premier secours, oui. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Pose. J'ai il peut-être été con de le faire alors que j'allais dans le poison. 293 de physique. Est-ce que je peux au moins. En plus, t'as la super épée du tonnerre et tout. Ouais, mais je suis pas très fort en termes de caractéristiques de. Ah, bah oui. Donc. Ouais. T'es encore en amitié avec moi? Ah non, tu es plus. Non, non, c'est fini. T'es plus mon ami. Tu n'es plus mon ami. Pourquoi t'as lenteur sur toi? J'ai dû marcher dans le métro. C'est bizarre, t'en avais pas peur. Ah ouais, en plus, c'était des trucs maudits, fallait se casser en effet. Faut que je place le physique, hein. Je vais faire ça. Est-ce que je peux taper en physique avec ça? Faire dimensionnel. Inventaire, ça me fait quoi ça? Merci. Ouais, mais non, je sais pas comment elle peut l'adapter. Genre. Bah écoute, je vais me fortifier déjà, ce qui me manque. Hein. On va déjà faire ça. Et au pire, elle va m'attaquer, je vais tanker le temps d'avoir. Au droit d'avoir mon sort qui attaque. Oh, j'ai oublié que j'avais ça à la boutique. Non, je suis confiant. J'ai gardé mon. Pour info, celle qui est à côté de moi, je vais te la TP dans le feu par là. Attends, j'ai ping deux fois par là. Enfin, dans le feu, moi, du coup. J'ai pétrifiant. C'est d'armes magiques. Au pire, c'est pas baissé pour. Ok, c'était nul à chier. De ouf. Sachant qu'en plus. Oh non, mais laissez-moi. Oh là là. Ah bah ça touche. Ah si, ça touche Dark Loup. Ouais, mais du coup, elle est dans la zone, donc elle peut taper la... celle qui a lancé le sort sans problème. Vu qu'elle est déjà dans la zone. C'est vraiment au moment que tu franches la ligne pour rentrer que tu te fais taper. Comment effraie-t-il la plante devant toi? Faut que tu le soignes. Tu veux pas la TP ailleurs au pire? Tu veux tempo un peu, j'en sais rien. Non, je peux moi m'échanger de place, mais je peux pas la tempo, la TP. Parce que je TP-rais bien la dryade de l'arbre mère à ma place, mais. Je pensais que ta créature est au corps à corps d'elle, mais moi au moins ça me permettrait de m'extraire. Et Dark Lou, elle pourra peut-être taper en AOE la plante ouais. Plus la dryade. Ouais, peut-être. Mets-toi à l'abri. Hein. Bah, alors attends. Tu sauves la vie. Attends, je vais essayer de faire un bon calcul. Ok, là je touche Dark Lou. Donc ça fait 1. Merci. Bisous glacé. 1. Loup, loup. Voilà. Bouclier dommage. Par contre, j'ai encore.
Au niveau de la santé, je suis pas en, en forme. Ouais, tout le monde. Et non, ouais, je touche la pas sur de moi. Mais en vrai, là. Ouais. T'en touches deux là, c'est ça? Même pas. Même pas? Avec le tourbillon, non. Même pas. Ah merde. Non. Et le renversement, t'as pas le truc en. J'ai bélier, mais du coup, en fait, non. Vu qu'il y a la créature devant moi qui a de l'arme physique, je sais pas si je vais arriver à atteindre celle-là. Non, mais t'as un autre truc. Enfin, il est peut-être en CD, tu me diras. Mais... J'ai piétinement guerrier, mais. Ah, ça doit être ça. Ouais. C'est le prochain, tour. Ok. En plus, la. Je peux essayer de lire. Oh, t'es sur un non, mini boss de quête quand même. Ouais, non, c'est ça marchera pas. Pas. Il y a trop d'armes physiques. Juste après. Pourquoi ça les soigne, un peu? C'est le brouillard total qui est vieux. Ah ouais, putain. Ouais. Elle a pris plus 32 fois. Aïe. Bon. Salut. C'est plus moi ton adversaire. Moi pas de taper toi. Non, là-bas. Ok. Ouais, mais eux loin. T'as des grandes jambes. C'est fait pour toi. Ah, je me j'ai hâte. Je veux TP. Non, ce hâte c'est pas TP. Repli stratégique, le nom du truc. Hâte c'est pour avoir. Ouais, ça. C'est pour avoir plus de PA. Ouais. Où est-ce que c'était écrit qu'on fait hâte et téléporte aussi. Ah mais ouais, je peux me téléporter, pas vraiment devant eux, donc c'est déjà ça. Youhou! Ah ok. C'est pas mal déjà. Ouais, oui. Et puis... Foncer. T'as pas un bélier sur la, l'elfe, enfin la dryade à côté? Non, bélier prochain tour, je peux juste utiliser 3 PA pour avancer et frapper. Bon, ouais, écoute. Depuis... Ah l'arbre, il s'en fout de moi, c'est toi qui veux. Bah écoute, je vais lui mettre des petits coups dans le dos. Alors. Ah mais je suis empoisonné moi. Non, je suis assis. C'est pas pareil. Allez, toi tu vas là. Va-t'en. Va-t'en, dégage. Dégage de ma vie. Ah, j'ai peur qu'elle vienne vers sur moi après. C'est possible. Au moins qu'elle en veuille toujours. Et ensuite. En vrai, c'est stylé d'invoquer un arbre. Ok, d'accord. Aïe. La connasse. Ah, et le feu là, pourquoi il fait pas exploser le poison? Oula, moi j'ai même mis l'effet sur ma gueule. Ça nous serait tellement utile. Oui, bah... C'est clair. Empoisonnement. Et pourquoi mon truc il a pas explosé là? Ah si, j'ai pas vu. Il a fait qu'à ah oui, j'avoue, je l'ai pas vu exploser non plus. Bon ben, fortification pour ma tronche. Et puis, voilà, moi je vais me rebooster. Faudrait qu'on se regroupe en vrai pour que je puisse tous se soigner et tout. On est tellement éparpillés. Après, tout le monde est trop éparpillé partout. Mais ouais. Pourquoi tu. Ah oui, j'allais dire pourquoi tu bouges pas, mais t'as toute ton armure magique. Ah, moi aussi je dis Glory is mine. Ouais. Gloire à moi. Quoi, ah mais si je mets du pétrole sur l'arbre, il va commencer à se péter, non? Ouais, il va tout faire péter. Tiens, ta gueule. Bah après, en vrai, les invocations, je sais pas si c'est le meilleur focus. Hein. Comme on l'a dit, vaut mieux niquer les invocateurs que les invocations. Après, le problème des invocations, c'est qu'ils font des rituels de guérison. Bah les totems, oui, l'arbre, là, non, je crois pas. J'avais cru en voir un sur l'arbre. Non, c'est le totem qui a envoyé un rituel de guérison qui a rebondi sur l'arbre et puis sur le reste. Mais... Ouais.
On aurait dû jeter des cocktails Molotov là-dedans. Termine. 20% résistance à l'air. De la dynamite. Je crois que j'en ai de la dynamite. Attendez. Attends, c'est mille au loin. Eh, mais j'ai de la dynamite. Je vais tout faire péter. Ah, mais il est parti. D'accord. Là, je balade ma crème depuis tout à l'heure, mais il se tépait de partout, les cons. Des petites armeries brûlent. Ah, ça pique. Connasse. Non mais ils sont cheatés, ils font des coups critiques alors qu'ils sont en bas. Ouais. Et des flèches en cloche. Alors. Quoi, barrage sur Ufan? Ah non, c'est bon, on vient d'être fait. Ouais, je crois que maintenant il y a un petit décalage entre les deux. Vas-y, attends, on m'attaque encore, hein. Non, non. Ben, je peux toujours pas faire mon tour. Alors, en plus, l'autre que je vous ai ramené, elle s'est barrée, donc... Ah, je passe, t'as vu, Canette, il y a une Kunas ici. Ça? Ouais, ouais, j'ai vu, je vais que je viens de la voir. Faut qu'elle se prend. Entre les deux beaux. Après, je sais pas si j'étais plutôt toi qui a l'air d'être un quelqu'un. Moi là, je suis. Ouais, il me reste quoi 1200 de physique, 75 de magique. Ouais, si t'as pas magique, c'est compliqué. Ah, je pourrais peut-être t'en. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, Henri, si j'avais la portée pour t'en rendre. Après, ça me semble assez loin, mais. Non, mais merde, putain, mais il se remet de l'arme physique à Vitam Eternam, mais c'est. Ah, donc faut que moi je m'en occupe. Enfin, faut que la magie s'en occupe. Invoquer et... Ouais, ou alors moi faut le taper en magique parce qu'il il a fortification, il se remet l'arme physique. Ouais, ce que je dis, moi et Canette, parce que Henri il peut pas, il fait des poisons et je suppose qu'elle a 200% de poison. Ouais. Ah non, même pas. 100%, mais ça suffit. 180% de terre, 150% d'eau. Ah oui, je peux même pas trop la taper à l'eau. Donc, eau, terre, poison, c'est mort. Non, faut faire du feu. Ouais. Ouais, feu ou air, donc air je peux faire, moi, mais j'ai déjà utilisé pas mal de ça. Non, moi je vais aller taper l'autre. Là. Qui est derrière. Il y a quelque chose. On va réfléchir. Au tour suivant, je peux réinvoquer ma créature en feu au pire. Oui, ça peut être bien, ouais. Après, le problème, c'est qu'après le corps à corps, il faudrait que ouais. Si mon tour arrive avant, que je m'avance et que je fasse une boucle de feu pour créer un effet. De feu pour que tu puisses. Là, il va prendre dans la gueule, Henri, le feu. Enfin, le fauve, la boule de feu. Ah non, mais attends, tu parlais pour t'aider toi ou la fleur? Que moi je parlais pour la fleur. Bah, du coup, c'est plus chose qui prendrait. Bah, Henri peut pas créer une créature au niveau de la fleur là, elle est trop loin. Hein. Ouais, non, bah il va être obligé de s'avancer. Après, je sais pas, est-ce que j'aide dans Henri entre deux ou est-ce que. Parce qu'il a quand même. Il va avoir deux mobs sur la gueule. Je peux. Le problème, c'est que j'ai pas regardé, mais. Il y a moyen que je puisse le sortir de là soit avec un TP, soit lui envoyer de l'armure de givre. Ah, je peux pas toucher la dryade de qui est derrière. Que la taper la fleur, ça sert à rien. Oui, surtout qu'il est en physique, terre. En physique, en tout cas, oui. Ouais. Ouais, et en plus, j'ai que des sorts de physique. Non, tu peux aller vers l'autre. Bah ouais, t'attaques les autres. Je vais snobber la fleur et essayer de taper l'autre. Mmh. Derrière. Ouais, c'est coucou. Ça fait mal, hein. Tu peux la renverser ou t'as un truc comme ça? Non, j'ai plus assez. Mais peut-être que je pourrais le faire après. Oh, l'arbre mort. Est-ce que tu vas crever? Est-ce que tu vas crever un peu, hein, toi? Ah, ça y est, il est mort là. Le truc qui a pété là. Ah, ça y est. Ouais, c'est l'arbre. Mon crescendo a mis un peu de temps. Ah, ouais. Alors, moi j'ai une question du coup. Est-ce que j'aide Henri? Il y a du feu béni. Tu peux aller dedans, Henri, te soigner. De là, j'ai du plus 50% de dégâts vu que je suis en surélevé en plus. Sur celle qui est devant moi là. Ouais. Régulier son compte. Fais ça au pire, je pense. Si tu peux taper en physique, ouais, en vrai en plus elle est chiante elle quand même. Alors. Je trouve mon petit truc. Où est-ce qu'il est? Qui est
Il me reste un truc à faire. Il y a bien mon truc à faire. Je peux pas... J'avais oublié qu'il y a encore quelque chose. Ah oui, d'accord, le poison béni est devenu du poison maudit. Bah, je vais dégager de là en fait. Ouais, faut aller en bas dans les flammes. Elle va venir mais te elle voir. Te veut, hein. Oh là là. Ah bah, c'est RP, hein. C'est elle qui a foutu la merde. Bah, ouais, c'est vous. Va te soigner dans le feu béni, Henri. Ah, si tu vas dans le feu béni, je pourrais plus te rendre de l'armure magique. Si je suis toutefois, je peux. Je suis pas trop blessé, c'est plus mes armures. Ouais. Mais est-ce que j'invoque ma créature du feu du coup là? Ah franchement le feu c'est ce à quoi ils sont le plus sensibles tous donc ouais. Non, même s'ils ont pas mal d'armure magique ouais moi je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais. Le plus près possible de vous. Non je vais le mettre dans le feu qui est ici. Hein. Ah le feu qui est dans toi. Ouais ou alors devant la dryade de l'arbre mère l'autre là. Ouais. Ah ouais là-haut quand même, comme ça je suis déjà devant un. Non moi je parlais d'elle. Ouais c'est ça. Ok. Bah, du coup, moi par contre, prochain tour, je dégage de là parce que tuer l'autre. Du coup, désolé, je peux pas. Longtemps, ça fait longtemps ma créature. Non, oui, c'est vrai. Ouais. Je vais m'occuper d'elle. Ça fait comment il s'appelle dans le premier film, Hellboy. Ouais. Ah ouais. Qui l'ont vu. Je vais pas spoiler en cas où, même si ce film est vieux. Mais... Ah oui, t'as fusionné avec moi, attends, t'es dans mon cul là. Ah oui, je me disais, elle est passée où. Ok. Ah, clique sur son portrait, essaye de trouver son portrait, je sais pas. Ouais. C'est laquelle? C'est celle qui a plus d'armure physique et 2218 de vie. C'est la deuxième du coup. Ouais. Celle qui joue après moi. Ouais. Tac. Dum. On va te faire prendre ta deuxième patate, hein. Oh, ça. Voilà. Des grosses pique, patates. Hein. Bah, ouais. Il t'envole, hein. Bah, bah oui. Je me dis, c'est roleplay. C'est ça. Je suis marqué. Alors, Henri, est-ce que tu veux que je te rende de l'armure magique? Est-ce que tu veux que je te téléporte à côté de moi? Ou autre part? Ouais, bah tu peux TP, je pense que je sers à rien, à part avec tes canettes, mais il faudra un tour pour remonter le haut. Tu veux que je te TP où? Le problème c'est que moi va faire que... Ah non, cible non valide. J'ai plus d'armure nulle part et j'ai mis mettre la moitié de ma vie en moins. Ah oui. Disons que j'avais pas prévu que le poison béni devienne du poison maudit, quoi. Et ça m'a fait très mal. D'ailleurs, je sais même pas quand c'est possible. Enfin, ah non, mais avec ton renforcement, je peux pas te TP, je crois, non? Je suis trop lourd. Immunité contre se faire téléporter, exactement. Ah bah, ça va être ça du coup, non mais c'est pas grave, je vais au moins pouvoir faire. Ah quoi que, je rends de l'armure magique à qui là? Je peux rendre, bah je peux pas rendre à Canette. Je peux rendre soit à Dark Lou, soit à toi Henri. Ben bah, il tape quoi toi Dark Lou, ça sent peut-être toi. J'écoute. Après Dark Lou, tu vas avoir un petit proc d'armure magique autour de suivant. Ouais, là, ouais, c'est dans 2 ans. Hein. Bon, elle est à la merci de ta créature. Et au prochain tour. Ah oui, moi ce serait plus l'autre. Oh, mais je pourrais pas la taper. Ah, j'ai pas la range pour la grosse fleur de merde. Alors, faut que je m'approche. C'est comme c'est. La Toulou plante, quoi, ça. Non mais de toute façon je peux pas en fait, la cible est hors de vue à cause de sa fumée de merde je pense. Bah super. Super, comme dirait tes amis. Super. Zuber. Zuber. Je peux pas faire grand chose maintenant. Je vais économiser mes PA. Bah ouais. Oh mais non! Ah ouais. Super! Allez, oh, encore un tour! Putain, mais encore! Ouais, faut la péter celle-là. C'est chiant.
Ah oui, carrément. T'es sérieux, toi? Tu vas me chercher moi qui est tout là-haut? Ouais, t'es là, 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 en bas, toi. Tu prends vraiment la tête, quand même. Non, je vais aller tuper celui-là. Oh non, on manquait. J'ai la piétiner. Putain, mais l'autre. Oh! Oh! Ah, elle avait certains tours de tête. Ah oui. Elle a, ah, elle ça dépop, ça y est. Hop là. Je t'esquive, esquive dans le dog. Aïe. Ah, voilà. Tu t'es trop pété, tu l'as trop pété sur. Alors toi, tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu vas le mouler. Mais là, Spartakick là. Je ne fais pas Spartakick. Quoi que si, je préfère. Sparta voilà. Flèche. Sparta Flèche. Ensuite, je vais faire ça quand même. Petite binouze au passage. C'est ça. Et ensuite. This is Spartiate. This is binouze. Et j'allais dire, j'hésite à me mettre en hauteur. Mais je sais pas si je vais pouvoir toujours la toucher de là-haut. Parce qu'il y a la plante de merde. Des rambardes en fait. Ouais, je pense que ça va te faire chier. Bah avec les flèches, toi encore, ça va parce que c'est des trajectoires en cloche. Mais ouais, toucher celle qui est à côté de toi, non, tu pourras peut-être plus avec le pylône qu'il y a entre deux là. Ah, mais je peux la toucher celle-là. Je peux lancer une boule de feu. Alors, The Fauve est toujours en vie. Que va-t-il faire? T'as l'impression de servir à rien moi dans les fights. Mon combo OR, il est nul à chier en fait, j'ai l'impression. Bah là, c'est que le problème, c'est qu'elles sont particulièrement résistantes. Mais non, mais... Enfin, après, on dit résistantes, mais il faut pas oublier qu'on a mis 35% sur tout point armure magique physique. Ouais, d'accord, mais moi, je parle en termes de résistants. J'ai l'impression qu'ils sont très, très, très souvent les ennemis résistants à l'eau et à l'air. Plus qu'au feu, genre le feu, j'ai l'impression que ça passe à peu près sur tout le monde. On voit une demande d'amis. Bah, j'accepte ta demande d'amis. Cool. Les copains. Oh, ça j'aime bien, copain. Copain de téléportation, j'aurais pas besoin. On a ici à travers la galerie. 5% de plus. Ouais, on va faire ça. Tiens, ça devient un peu violet. Alors, on a plus d'armure. Ok. Fais gaffe, il y a un arbre. J'adore les effets d'air, là. C'est... Et qu'il va se transformer en Super Saiyan ou je sais pas quoi là. Mais ouf. Les cheveux qui traversent la capuche. Ah, mais ésotérique. Je suis super zoom sur ta tranche de toute personne. Ah oui, un copain. Ouais, du coup, t'en as deux copains pour le prudent, c'est trop bien ça. Ah bah oui. Ah bah le temps qu'ils aillent taper quelqu'un. Ok, non, l'arbre il a une super portée là, il vient de toucher moi. Donc... Ouais. Ça temporise au moins en attendant, moi je suis un peu tranquille. Troll. J'avoue, c'est ce que je pourrais faire moi avec mon. Celle qui m'empête. Je sais plus si j'ai de quoi. Il y a quelque chose au pied de ta créature, oui. Ah oui, elle est morte. Okay. Ouais, c'est un cadavre. Ça t'intéresse? Ouais, en fait, tout le fight est revenu du côté gauche de la map, en fait. C'est ça, on se bat. Putain, j'aurais dû la taper avant, je suis con. J'aurais dû la taper et ensuite la charmer. Bon, alors, moi, je pourrais quand même... Moi, je pourrais quand même la taper, je pense que... Ah non, elle est plus dans le pétrole. Ou tu te rapproches d'une buff. Après, tu peux les toucher quand même normalement. Ah ouais, je crois que je peux. Ouais, t'es ma pote, mais pas sans ta queue. Ah, par contre, faut pas que je les tourdisse, sinon c'est con. Ouais. Moi, je voulais jeter une boule de feu à la tronche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit une pousse de l'arbre mère, mais pour moi il n'y en avait plus. T'as le journal de combat là. Elle a rien fait du tout, surtout. Attends.
sur pousse de l'arbre mère, mais il n'y en avait plus. Caché, mais je le voyais pas dans le journal de combat. Putain, mais à chaque fois que je charme quelqu'un, ça fait de la, ça fait de la merde derrière. Ça. J'avoue. C'est fou, ça. Le jeu... C'est mal géré par le jeu ou quoi? Ouais. Mal codé, c'est merde ou quoi? Bon, boule de. Sinon, le copain, il peut. Tu vois, ton copain, il peut nous venir nous aider. Ah bon? Pas t'es loin, toi. Après j'ai envie de ta plus grand monde. Enfin quoi que si, tu peux peut-être faire approcher celle qui est charmée en attendant. Ouais, je voulais jeter une boule de feu à la tête. Ah bah je peux même pas, oh là, je peux pas tuer en l'air. Non, ah bah non. Bon moi je vais aller au cac. En plus t'as du pétrole là, tu vas pouvoir faire péter le pétrole. En haut des escaliers. Enfin de lianes. Là je sais pas, je peux pas viser, là je pouvais pas viser en l'air et si je me mets en bas des lianes je pourrais pas non plus. Non, faut que tu montes en fait. Ouais, je pensais que tu irais en te déplaçant. Faut y aller à pied quoi. Ouais, je suis obligé. C'est ridicule quand ils escaladent des trucs. Alors, qu'est-ce qui pique le plus, boule de feu ou attaque à distance? Alors, 438, 479. Ah oui, boule de feu, 580, 639. Salut! Ah bah voilà, one shot. Okay. Parfait. Du coup, c'est encore du feu béni. Ouais. Et du coup, il me reste des points d'action, mais je pense que je vais rester là sans que je... Enfin, je descends déjà. Ta créature, elle a du feu bleu, du feu rouge sur elle, là. Enfin, c'est bon. Des éclairs jaunes. Ah bah ma créa, elle est hors combat. Pourquoi elle est hors combat? Parce qu'elle est trop loin des autres. Ah, tu ferais mieux de vite la déplacer, elle va crever, là, dans 4 tours. Plus que tu la remettes en combat, là elle est valable encore 3 tours là. Non mais rentre au combat, bah, quand même. Tout à l'heure. 3 tours pour la créature. Bon, ça va, il reste plus trop de temps. Il est où mon truc, tu me tires dans le ciel là. Par contre j'ai peur de devoir griller toutes mes flèches en version sur elle. Ou je pourrais tenter de faire ça pour me camoufler, mais bon, je vais peut-être plutôt la taper. Poison maudit, toi. C'est quoi ton pouvoir? Il est retombé avec le nain, hein. Pas t'aider en tout cas. Ouais. Bah, ça me souffle aller. Ah ouais? T'es comme ça, toi? Tu peux pas aller. Je peux pas. Je l'attaque en feu, t'es moins l'armure. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Moi, je suis j'ai encore le fait que quand j'absorbe temps, je me guéris. On vient de gagner 100 points. Cool. J'ai oublié ça que j'avais ce passif. Ah c'est vampire. Alors je dois t'attaquer. Ouais, je dois t'attaquer physique. J'ai oublié chaque fois. C'est physique, mais juste que je touche canette de toute façon. Je risque de toucher canette. Donc. Quoique. Ah non là je te touche pas. Ah je te touche quand même. Oh oui. Ah merde, je suppose que t'es pas dedans. T'es pas encerclé, t'es par l'attaque, donc c'est chaud. Encore on est là. L'eau, c'était un arbre derrière toi. Ouais, bah ouais, j'ai vu. Encore une invocation, encore une invocation à la con. Au cas où t'avais pas vu. J'ai pris un sandwich. Ah mais c'est un tronc empoisonné lui, c'était pas le même que tout à l'heure. Ah ouais. Bon bah... On dirait une créature qui avait ton dofus, je sais pas si vous avez déjà vu. Ça me parle un peu. Il y avait des petits arbres comme ça. Avec des bouches. Il fait un effet sa vie à l'autre bout de la fin. Et encore, c'est bien, il est encore en combat. Ouais. Bon, j'avais pas vu que c'était mon tour. Tout va bien. Du coup, moi j'avoue, je suis à l'autre bout, mais je suis encore en combat.
Ouais, ma créa, pourtant j'étais pour ce coup pareil. Mais... Je vais utiliser la pyramide, ça marche pas. Ah, bah il faut 6 PA. Effectivement. Et j'en ai 5. Ah. Une dizaine de ces créatures là, c'est vraiment des Pokémon. Putain, le combat qui m'emmerde. Parce que je veux pas aider mon j'avoue pas du jaloux. Enfin, je veux l'aider d'une manière différente de ce qui est attendu. Tu deviens un arbre, c'est stylé de devenir un arbre. Ouais, non, moi je veux devenir une déesse. Ah, c'est vrai, c'est mieux. C'est clair. Ouf, merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Non, c'était salut à toi dans ton dos plutôt. Tu pensais avoir un ennemi derrière toi et puis d'un seul coup, salut, je suis derrière. C'est bon. Et l'arbre, il s'est trompé. It's me. En fait, c'est fan de ton ennemi, attention. Non. Les humains. Ouais, les elfes aussi. Particulier. Je trahis mon peuple. Tous des cons. Mais je crois que ouais, l'arbre mère faisait des trucs bizarres à ceux qui appellent cette monde. Mais ça t'a dit, il y a tellement de trucs. Le fou, il va te juger après. Elle a plus d'armure. Oh, oh, c'était ce qui ouais. Bon, est-ce que j'inverse ma t'étais place naze. Avec moi-même. Ah non, je peux pas, je pense que j'ai vu, j'ai pas mis le sort. Est-ce que d'ici je peux jeter un truc? Oh, mais tout va péter si je fais ça. Ouais, c'est ça, tout va péter. Mais si je fais attends, si je fais juste attaque à distance, je vois pas que je vois qu'il y a tout. Ah non, c'est ça, c'est ciblé, donc ça peut-être pas. Tente au pied, on verra bien. Allez, on tente. oui. Bon, ah, en plus, il y a du feu maudit maintenant, faut vous, vous casser. Hein. Ah, bien, c'est possible. Tout va bien. Surtout Séville, faut que tu te casses là. Hein. Yep. Ah, il fait un peu chaud, c'est tout. Alors. Attends, du coup, elle est dans le tas, Micheline ? Avec quelle Micheline ? Ok. J'y vois rien avec ce feu, c'est moi. En fait, je vois ta créature, mais je vois plus elle. Elle est là. Ok. Bon bah, voilà. Ça meurt. Là, tu n'as pas content. Croix. Il a fait croix, d'accord. C'est pas trop. Ouais, c'est bizarre ça, des fois ils attaquent pas. Ah, ma créa est décédé. Mais déjà. Ah bah, elle devait être hors combat. Ah bah, ouais, du coup, elle a perdu des temps d'invocation. Je sors de là, moi je vais vous voir avec ça. C'est clair. Sors de là. Bah, qu'est-ce que je peux laisser ici? Charge. Je suis hyper rapide quand j'en ai ça. Non, mais en plus, je charge au ralenti. Un de mes sorts. Ah, mais t'as nécroflamme sur toi. Ah, ouais, c'est pas ouais. Ça. C'est pas sympa. Flamme de l'enfer. Ouais, toi aussi. Le bouclier, il est même pas en feu, y'a que moi. Il est ni fugé. Il fan ça, toi. Merci. Il a fait un échec critique de force mentale. Donc... Bon, elle veut quoi, elle?
Cette violence. Il est dépité, genre. Bon alors, merde. C'est bientôt fini, les conneries. La puissance. Attends. Tout le monde est mort de l'autre côté, hein. Ouais, ouais, c'est ouais, bon. Ouais. Que, on a que, tout cassé, ouais. Que... On a nettoyé tout le bazar. Il a préparé yourself. Oula, cette... Oh, cette danse. Okay. Oh, bah, elle est étourdie en plus. Elle a pas l'air de bien prendre. Elle a pas l'air bien, là. Elle a pas l'air de kiffer sa race. Lui pour calmer. Laissez-moi faire de l'eau. Hop, et hop, t'as remis un petit coup. 1097, est-ce que tu arriveras à le faire? 1737, je pense pas que tu aies des attaques qui passent autour. Non, non, c'est un peu nul. Oh là là, ouais, oh, manqué, t'as fait un coup de limbo là pour l'esquiver. Ouais. Bon, c'est lui, t'as pas une flèche aussi forte aussi. Hein. Oh là, les vénères. Bon, terminez les conneries. Kenneth, il a toujours de la chance, Kenneth, pour avoir le dernier coup, j'ai l'impression. Mais genre non, je l'aurais pas le dernier. Ah, oh, peut-être, tiens. Il va tout balancer ce qu'il a, c'est godasse. Il fait tout péter, là. Ça fait 3 ans, ça. C'est toujours toi qui termine les fights, j'ai l'impression. Bon, je suis toujours enflammé, moi, donc... Vite, le sac de couchage. Bon, je vais aller looter les petites créatures, mais à mon avis, moi, ouais, j'attends, je cherche même pas, j'attends de voir. Non, je peux pas cliquer dessus en plus, donc ça, je peux pas cliquer dessus non plus. Oh là, y'a masse truc sur ta copine. Ah bon ça. Genre, la madame qui t'a dit, oh là là, t'es pas bien de nous trahir. Bah tu sais quoi, je vais te laisser ramasser parce qu'il y a 3 trucs à identifier, donc je te laisse ramasser. Elle est là, si tu la cherches. Ouais, ouais, non, mais je fais le tour. Ouais. Il y a des cadavres qui ont disparu, non? Je sais pas, j'ai regardé, mais... Il y a des plantes qu'on peut reprendre. Ah non, là, il y a... Moi, j'en ai récupéré une, là. Là, il y a, ouais. En haut, là-bas, c'était pas quelqu'un de vivant, c'est pas un secret. Bah voilà. On va tout péter. Et du coup, je dis des stats. Ouais. Oui. Attends, je sors mon inventaire. Bon, vas-y. Alors, j'ai une ceinture légère, 126 physique, plus 1 troc, plus 1 porte-bonheur, plus 2% chance de crit. J'ai presque pareil, sauf que j'ai de la vie en plus. Merci. Ça peut m'intéresser. Non, mais... Bon, je sais pas, ça va. Bof. Je l'envoie à l'os, du coup. Mm-hmm. Si tu veux. C'est pas plus. Alors, des bottes. 164 physiques, 34 magiques, plus 1 furtivité, plus 2 initiatives, plus 90 PV. Non, moi, ça va. Ça, c'est mieux que moi, que ce que j'ai. Et toi, l'os? Non, moi, elle me donne plus 3 forces, les miennes, donc je garde. Et bah, j'envoie au fauve. C'est quelle pointure? Et j'ai une baguette, ça, je t'envoie directement. Ça peut être soit moi, soit Henri, ça, pour le coup. Ok. Ah, non, moi, je garde mon épée, il me fait plus 3 de mémoire, quoi qu'il arrive. Okay. D'accord. Okay. Bah, on voit, alors. Les bottes, elles sont les bottes. Alors, tout à fait loot ou pas? Ah non, il me faut 14 de force, moi je peux pas les mettre, les bottes. Et 13 de force, il faut 14. Ça peut être pas mal la baguette là, dis donc. Et j'ai cliqué sur le cœur par l'inadvertance. Hein? Bon bah je dois attendre 996 000 points d'XP pour mettre les bottes. Je mets un point de force. C'est ok, c'est rien. Oh là 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 là. Ah du coup je vais parler à ma grande copine, oui, de l'arbre-mère.
Yes. Et je me place de façon badass aussi à côté de vous. Hop. Narratateur, c'est qui narratateur? Peut-être moi, mais je suis en train de comparer les baguettes là. Putain, j'arrive. C'est qui parle là? C'est Canette? Ouais. Ok, je regarde juste un truc. Ouais, je sais pas. Alors. Voici le cœur de l'arbre mère, le centre de l'univers elfique. Il semble souffrant. Alors, tendre, je tends la main, je laisse mon pouvoir s'étendre et grandir avant de le diriger vers le cœur malade. C'est moi la première héritière, l'avenir des elfes. Et je relègue la mère au passé. Attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je la tue ou pas, du coup? Ouais, je pense. Ici. Votre propre cœur s'emballe et se resserre. L'arbre mère tout entier frémit et vous entendez son cri. Il appelle tous les elfes à l'aide. Il se peut que vous soyez en danger. Ah bah oui, bien sûr. Le cœur de l'arbre mère se flétrit et meurt. Tout est silencieux et immobile. Ah ouais, mais tous les elfes, ils vont vouloir ton cul. Ouais, ouais, bah ça je m'en doutais. Hein. Il y a des elfes. Ouais, GG. Bah cool. Ouf. On vient de tuer le cœur de la nature. L'elfe anti-environnementaliste. Comment vous sentez après avoir exterminé? Non mais je crois qu'il voulait pas que du bien d'ailleurs. Sebi a détruit l'arbre mère, délivrant ainsi les elfes de sa tyrannie. Ah bah voilà, je vois marqué de son emprise. Mais... dans l'avenir des elfes. Bon. Ok. Bon bah. Je pense que c'est ce que le fauve dirait, ce que j'ai dit. Tu vois, la dernière fois on a éteint une race. Et là, on vient de détreindre le cœur de nature. Donc, c'est bien. Bon, bah, c'est nettoyé, on peut y aller. Parfait, super, super. On a rendu le monde meilleur, je pense. Du coup, faut que je retrouve ça et là, mais je ne sais pas où est ça et là. Ah, bah, elle est là. Ah, direct. Ah, ça tombe bien. Ouais. Coucou. Bah, disons, ça faisait longtemps. Baby, quel plaisir de vous revoir. Je dois m'entretenir avec vous. C'est de la plus haute importance. Je me trouve à Forgeois, mais je ne vous vois pas là-bas. Je m'enfuis du fort, tout comme vous. Tout est enfin clair. Je sais ce qui doit être fait. La mère est malade, elle est faible. Son emprise sur nous se défait enfin. Quoi? What? What? J'ai pas eu le temps de dire la suite, je suis en combat direct. Attends, moi aussi. En combat, j'ai même pas eu le temps de... Ah ouais, c'est les grandes prêtresses. Bon, attends, mais je vais voir la fin du dialogue. Ouais, n'hésitez pas à nous lire, je peux plus. Bon, bah, je vous lis. Donc, la mère est malade, elle est faible. Son emprise sur nous se défie enfin, grâce à vous. Vous tuez ses héritiers, c'est vous qui détenez à présent le pouvoir, Sébille. Vous êtes la première héritière et une adéide. C'est une occasion unique. L'impossible devient possible. Détruisez-la, délivrez-nous de sa tyrannie, je vous en supplie. Terminez ce que vous commencez. Un dernier meurtre. Vous devez frapper au cœur. Faites-le pour moi. Faites-le pour nous tous. Délivrez-nous. Je lui dis que la mère a été détruite. Vous avez raison. Je pense que sa maladie est à blâmer. Je comprends mieux plus ce que je ressens. La mère n'est plus. Nous sommes enfin libres. Mon cœur se remplit de joie de savoir que vous êtes à nos côtés, Sébille. J'espère vous revoir aussi qu'un jour vous trouverez enfin ce que vous cherchez. Ah mais ça y laisse, Barbe. Ouais. Bon, bah maintenant c'est la merde. Salut. Une projection astrale, enfin. Donc, ah, ouais, la chose. Ouais. Ah, oui, ce qu'elle a dit. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle me dit de la détruire, que je l'avais déjà détruite. Hein. Ouais, non, mais en fait, je pense que le truc, on s'y est pris à rebours. C'est qu'en fait, on aurait dû arriver là maintenant. On nous aurait proposé d'aller tuer le prince des ombres, on l'aurait fait ou pas. Enfin, tu vois. C'est que là, on a un peu court-circuité en tuant déjà le prince des ombres avant. Ouais, en fait, on a tué le prince des ombres avant d'être venu au temple des flics, et c'est là que ça fout enfin, la fin. Bon, et... ça fait un peu comme The Witcher 3, je pense, au niveau des quêtes, quoi. Si tu te fais les trucs après, enfin, avant d'avoir la quête, ils trouvent quand même un moyen de... Et là, vous avez rien loupé, ils ont juste invoqué un arbre et tout pris dans la tronche pour vous, qui est un gel. Alors, ça faut taper ça. Alors, il y a une prêtre à l'écoute qu'il faut taper magique. C'est quoi l'autre? Physique pour l'autre. Ah bah physique, bah les deux, voilà, une physique, une magique. Alors, attends, elle c'est laquelle? Ah oui, celle-là. Celle-là c'est la physique, et l'autre elle est... Ouais, mais là, il y en a d'autres, hein, en rouge derrière.
Ah oui, il y a bien de gens. En gros, tous les prêtres avec lesquels on a discuté et marchandé la dernière fois, ils veulent notre mort. Ah, mais ils sont pas en combat là. Hein. Pour l'instant, on est en combat contre deux. Ouais. Ouais. Mais elle est où la deuxième qui est dans le combat là par contre? Il y en a une dans les arbres et une en contrebas. Là. Vraiment en contrebas quoi. Ah oui, d'accord. Du coup, bah, ma créa, moi je suis obligé de physique. Je suis obligé de physique. Ouais. Là, c'est pour là, je Il y a de la source derrière. Il y a de la source. Je fais bosser ma créature aujourd'hui, mon Pokémon. J'ai envie de te dire, c'est un peu ta classe. C'est un peu ton boulot. C'est un peu pour ça que t'es là. Voilà. Tu vas mourir approximativement dans deux coups. Armure de gif, ok. On va s'enchaîner deuxième combat derrière. Pas si loin que ça, à moins qu'elles arrivent tout de suite. Bon, de toute façon, un groupe de plus qui nous hait et qui veut notre peau. Au sud, on n'est plus à ça près. On est juste copains avec les gens qu'on ramasse, qu'on fout sous le bateau, mais les autres gens. Mais c'est vrai en fait. Hein. C'est tellement ça. Au moins, ça est là, t'as remercié. Mais en fait, j'avais tellement peur d'avoir fait une connerie. Non, mais apparemment, et, ouais, elle était. Il semblait bien que l'arbre mère faisait de la. De la tyrannie, enfin. Ouais, il y a eu une update du coup de l'avenir des elfes. Ça met l'arbre mère contrôle un grand nombre d'elfes qui n'ont d'autre choix que de lui obéir aveuglément. Donc en effet, t'as libéré des esclaves, c'est ok. C'était pas le top. Voilà. Mais apparemment, il était malade, donc peut-être que c'était pas comme ça avant. Vous pouvez m'appeler Khaleesi. C'est ça. Libératrice de mon peuple. Mère des dragons, enfin, mère des elfes, du coup. Merde, c'est clair. Libératrice du peuple elf. Bon, ouais, de toute façon, en bas, elle a l'air de vouloir venir, donc je vais la laisser venir. Vas-y, viens. Ouais. Comment? Ouais, faut pas hésiter. Préparez-vous si vous avez des trucs, ouais. Laissez-les venir, on a un petit cul-de-sac, ils ont qu'à venir à nous. C'est clair, moi, je vais pouvoir. Enfin, tu sais, c'est un sort que j'utilise un peu tous les 36 du mois, là. Attends, d'accord. Ah mais vu que vous êtes tous en haut de la liane là, elle va pas pouvoir monter l'autre con en bas. Et bah tant pis. Mais non mais moi j'ai besoin qu'elle monte en fait. Bah ouais moi aussi. Je sais ce que j'aurais dû faire. Je vais peut-être le faire juste après. Pour une fois que c'est moi qui fais l'encouragement, je le fais. Alors en théorie si je fais ça là, on est bon. Parce que quand elle va monter, je vais la défoncer. Elle va pas monter. Du coup, ouais, on la laisse pas monter. Il faut qu'elle monte. En fait, ce sort-là, j'utilise jamais parce que on est tellement des fois en terrain découvert que c'est chaud de bien le placer. Et du coup, je me tâte à l'enlever en vrai ce sort-là parce que. Je viens de voir que ma créature a que 4 doigts. Quoi? Ah bah. Ouais, mec. Ah mais je crois que c'était à cause de mon initiative. J'avais pas pu jouer du coup, mais vu que j'ai une très forte initiative, ça a dû me réinitialiser dans le truc. Oui, t'es Dex. Ouais. Bah tiens, je vais pouvoir faire ça. Normalement, je suis pas dégueu en initiative non plus. Hein. Je suis à 17. Ah, je suis à 25. Ah oui, ok. En fait, je crois que j'augmente ma initiative parce que ça me fait monter des trucs de coups critiques. Ouais. Ouais, il y a la perception, si tu l'augmentes, ça augmente l'initiative, je crois. Et ça fait aucun dégât l'assassinat, c'est quoi ce bordel? Du coup, j'étais camouflé. Il y a un arbre derrière moi, toujours. Mais tu prends cher pour tu tout. Tu prends des plaquages d'arbres, là. C'est violent. Si je bouge, je suis en attaque d'opportunité. Ça fait que 400 points de dégâts. Un peu plus, 450 pour 4 points de PA. Je sais pas si c'est rentable. Bah, c'est pas rentable du tout ces trucs-là. Voilà, comme ça tu peux l'attaquer si tu veux. Là. Qui? Bah, toi. Je veux pas de lui, moi.
les couilles de lui. Oui. Un ruisseau là. Choper celle d'en bas, moi, tu vois. Enfin, celui. Oui, celui. Ah, ah si, il monte. Monte quand même. Pas plaisir, monte. Mais pourquoi j'ai plus ma plateforme? Eh, mais je vais la dégager. Oh non! Il a foutu de la glace. Ah, en plus il soigne. C'est ton adversaire. Je voulais me déplacer, mais si je me déplace, je vais glisser 100%. Ah, je suis en train de glisser. Parce que, attends, on est d'accord. Elle est où la range? Ah ouais, putain, je chie. Il va faire chier l'arbre aussi, pas les feuillages. On peut tourbillonner, hein, nous, du coup. Bon, allez, hop. Alors, attends. 1, 2, 3. Ah, dommage. Attends, est-ce qu'elle a toujours coup de froid? Oui. Il est trop bateau. Oh là là, c'est horrible, j'arrive pas à viser. C'est marrant parce qu'en fait, toi, ouais, je sais, il fait des tours sur lui-même, mais. On te voit pivoter. Enfin, il fait pas pour ouais, je sais pas, c'est un coup il passe en bas, un coup il reste en haut. C'est clair, c'est chiant, c'est soir des fois. Tant bouger les pieds, il arrive à se tourner sur lui-même. C'est... Oui, c'est ça qui est. Franchement, c'est stylé. J'aime le pied. Merci. De rien. Ah, j'avais oublié cette glace qui était là-bas aussi. Hop là, un de moins. Et hop là, c'est réglé. Bon, il y a encore de la bagarre en bas. Un crâne à bol, je prends non. pas. Les crochets de cambrioleur. Je laisse le loot, je me casse. Il y a la source, hein, si tu veux. Darko. J'arrive. Il y avait un, bah, crâne, ça, un crâne et un bol, Canette, je sais pas si t'as pris. Je l'ai pris, non, je sais pas, rien, je tu me diras. Ah oui, Darklo a pris. Okay. C'est bon, je vais te le donner. Oubliez pas la paillasse, on enlève juste ce qu'on a compris. Peut-être rien, une petite sauvegarde aussi, non? Ouais. Ah oui, ça fait longtemps, ouais, la sauvegarde. Et alors, c'est marrant, parce que du coup, ouais, j'ai décroché Combrioleur, donc ça m'a dit, oui, il y avait tutoriel, machin. Mais de toute façon, on s'en fout, vu que... C'est toi, Canette, qui... Oui, oui. Et des trucs. On a cambrioné le jeu. Alors les méchants sont du là-bas. Il reste de... quoi faire là? Bah, y a des méchants à droite qui vont sous nous. Bah, en fait, l'arbre mère a lancé un cri, un râle de mort. Tous les elfes vont être à nos pieds. Je parlais plus pour cette map. Ah, pour cette map? Bah, comme je disais, y a deux ennemis. Il reste deux ennemis de côté là, je crois. En bas là. Attendez, je vais changer un sort. Là. Ah ouais, Kenneth, au niveau des quêtes, on est d'accord qu'il nous reste que l'homme de la phare à trouver et, ouais. Et le temple à ouvrir là. Enfin, ouais, c'est ça. Que, honnêtement, l'homme de la phare, moi ça m'a un peu tracassé, du coup, enfin tracassé. J'ai été voir par curiosité parce que je ne voyais pas comment l'avoir. Et honnêtement, c'est pas un moyen qui se trouve hein, facilement. On peut le trouver si on veut, mais faut, enfin, on n'y pensera pas comme ça. Quoi. Ouais. Profite pour changer ton sort. C'est... Si vous voulez bien, je peux vous dire la soluce ou on laisse cette quête en suspens. Moi, je sais que c'est pas RP, mais honnêtement, je vois pas comment qu'on aurait pu trouver ça tout seul. J'ai pensé, bah, je vais le faire. On n'a pas fait fantôme où on était justement pour les fantômes. Ah oui, dans le truc de l'arbre mère. Ouais. Ça, un truc. Mais... J'ai bien envie de tenter d'y retourner pour ça. Vas-y, c'est à côté, on peut aller voir. Bah attends, sinon j'y vais tout seul et puis je vous dis... Okay, ok, tu nous dis. Est-ce tu que, nous dis plutôt quoi que tous vous faire déplacer. Non, il y a l'air de rien avoir. Right.
Et Darklou, je sais pas si on peut, mais tu peux bouffer ma source hein, si tu veux, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si on peut le faire comme ça entre nous quand on est vivant. Mais... Du coup, vous voulez qu'on continue, qu'on arrête, je sais pas, je... On peut continuer un peu. On voit, je sais pas si qu'on veut. Faut aller péter la gueule. Bah déjà, faut qu'on sorte de cette zone. Et que, ouais, qu'on trouve l'homme Lafar. Quand il se vénère, puis dit, dépêchez-vous, il va exploser. Donc, il y a du coup, c'est une solution pour l'homme Lafar ou... Est-ce que c'est... Ouais, vas-y. Vous vous souvenez de la grotte où on cherchait un moyen avec le sang de rentrer? Ouais. En fin de compte, quand on a tué Alexander, on a looté un capuchon qui nous donne une capacité de dissimuler l'invisible et il faut l'utiliser à cet endroit-là. Quoi. Ah, donc je disais bien qu'il y avait un truc bizarre avec une porte et en fait c'était une illusion. Ouais, voilà, en fin de compte, il fallait looter Alexander pour accéder à l'Endapper. D'accord. Enfin, c'est mais c'était la fameuse. Et en effet, c'était bien pour ça que le troll était devant. C'était voilà, pour garder. Donc, par contre, je sais pas si c'était d'accord avec moi, mais pour moi, c'est pas un truc qui se trouve comme ça, quoi. De voir bah tuer ouais, enfin, fallait. Ah bah ça y est, on est en combat. Bon. Ah, direct, ils sont là. Bah ouais. Bah ouais, je commence à descendre, ça y est. Si vous n'êtes pas dans la zone, pensez à mettre votre reposé pour avoir un petit buff pendant 3 tours. Moi, je suis déjà dans la zone. Coucou, vous faites quoi? Oh la bagarre! Ours! Ah oui, il y avait un ours! Prêtresse de Duna. Duna. Ah ouais, mais on flingue vraiment tout le monde là. Ah ouais, bah oui. C'est un sacrilège, on va tuer des prêtres de notre dieu. Certaines dieux. Je crois les Avengers. Ils sont délus, moi. Qu'est-ce qu'ils en ont foutu de leur première? Ouais, moi qui considère que les deux sont liés, quoi. Ouais, oh non! Oh non! Pas l'ours! Ah bah si. Oh non! Oh mais soigne! C'est quoi cette manière de se déplacer là? De se déplacer en pas de côté. Ah le prêtre là, il faut le virer. Ouais, ça boit des canettes direct. Ouais, en fait elle n'est pas du tout d'armure, elle s'est foutue de buffer. Oh, elle est invisible! Elle a bu une canette de. Elle fait quoi là? Parce que. Ouais, merci. Okay. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a picolé. C'est une naine, elle a picolé. Elle a passé. Elle n'est plus là. Pas vu les armures, quoi. Je vais attendre que les autres viennent et je vais faire un carnage. Ouais. Le prêtre à l'écoute, le guérisseur, et enfin, pour l'instant, ils ont pas de. Ils ont rien, ils ont pas d'armure. Et les autres, c'est magique, je crois. L'autre, elle a dû se déplacer. Je vais essayer d'anticiper là où elle s'est déplacée. Pour toi. C'est pareil, le premier mob, il se l'est passé. Il y en a deux. Deux invisibles dans la map. J'imagine, vas-y, je vais tenter ça. Là. Enfin, on veut pas nous laisser partir tranquille, quoi. Bah, t'as touché le dingue. Ah, t'as fait de l'eau, t'as fait de la glace. Oh, je vais peut-être pouvoir faire une créature de glace, je sais pas si j'ai la range. Ça gèle derrière. Là, il est presque mort. Il reste plus grand chose là. Petite pichenette et il se brise. Ah oui, oh, je suis déçu, tout ça pour ça. Non, par contre, il a l'air un peu plus vénère le chevalier de Cersei. Est-ce qu'il prend, ça prend des dégâts, gèle ou pas du tout? Sinon, je serais bien crevé si. Non, ça prend pas de dégâts. Ça fait pas de dégâts. Que j'ai dit, t'as vous buffer en hâte et en. Après, moi j'ai brise-glace qui me coûte que 1 si la glace reste sous ses pieds. Bah, après, c'est comme tu veux. Mais moi, je t'avoue que si entre deux le chevalier de Tirsen Delius monte, je vais faire autre chose. Mais ça, il crèvera aussi l'autre. Donc en vrai, laisse-le, ça devrait aller. On va tuer tout le monde! Surtout si tu nous files de la hâte et tout, moi ça m'intéresse. Bah, en même temps, je vais bien tourner après, on va après lui. Donc... Tu peux en donner à tout le monde? Ah non, quand même. Non, que attends. Ah ouais, moi, je prends. Putain, mais j'étais bête, j'aurais mieux fait de faire lucidité sur moi, je l'aurais tué. Je buff mes capacités après avoir réfléchi. Coucou. Ah, ça fait créature de l'eau. Créature bleue. Ouais, ça faisait longtemps. On aura tout vu. Et c'est quand même con parce que ces personnages-là qui nous ont donné nos derniers sorts. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, heureusement qu'on a marchandé avec eux avant. Ouais. Je te tue, toi. Ah oui, t'as pas papa à côté pour le regarder et lui tourner le dos.
Justement, je vais me servir du sort que j'ai acheté. Que je leur ai acheté sur eux. Tu es avec leur propre. Je viens de l'équiper là, j'ai viré 3 sorts pour pouvoir l'équiper. Ouais. Alors. C'est trop. Ouh, coup critique, menteur, bah ça va ça. Ah, je peux quand même. Je peux heal de 354 avec la créature comme ça. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Non, que du feu. Ah, je ah oui, c'est vrai, il y a les cons à côté, ouais. Ah bah oui. Oh. Ah bah voilà. Coucou. Salaud, chevalier perdu. Oh, mais vous m'emmerdez avec vos paillettes là. Physique, oh t'es chiant toi, je peux pas te taper en physique. Et donc il y a l'autre là, il y a encore la prêtresse de Duna quelque part. Ouais. Putain, mais ils ont trop d'armure magique. Pour une fois au moins, il y en a, ils sont pas résistants à l'eau là, donc. Putain, en vrai. Pile quand j'enlève mes sorts là, en vrai c'est là où ça aurait été utile. Eh, hey, de la glace sous mes pieds. Qu'est-ce qu'il y a de la glace sous mes pieds? Et le mec. Ah! Ah oui, viens, toi, viens. Ah non, pas encore ce truc. Avance-toi plus, s'il te plaît. Et pour. Ah, il fait comme toi, lui. Ouais. Je mets des coups de couteau. Oui, avance. Oui. Oui, oui. 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 Toi, reste ici, toi, ça me va bien. Oui. Où est-ce qu'elle a pris? Oh non. Oui. Non, oui. Oui, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Mais là, j'ai peur. On est ready, vas-y. Oui, ah oui, d'accord. Il pleut des trucs. Ah, c'est ouf. C'était joli. Ah non, mais j'ai pas la range. Oh, j'ai pas la range. Ah, c'est ouf. Je tape sur mon bouclier. C'est clair, hein, ouais, ça. Ah, j'ai pas la range pour le brise-glace, fais chier. Ou tu veux pas te TP entre deux et. Non, j'ai pas assez. Moi, je subis depuis tout à l'heure. Ah, et puis moi, j'avoue que je voulais faire un rayon de feu, donc si tu veux faire ton brise-glace, j'ai peut-être attendre. Le moine lézard est presque mort, flèches, ça y est. Entre deux. Donc, je vais tranquillement me mettre. Ah bah non. Olé. Tu l'as annoncé tout à l'heure, c'est bien. On va faire un tourbillon. Oui. Mais en vrai, t'imagines en vrai ça, là, ridicule, c'est ridicule, qu'est-ce que c'est la gueule. Mais grave. Échec critique. Hop. Par contre, du coup, bon, ça m'a coûté 3 points de source plus 4 PA, hein, le blizzard, mais c'est stylé. Moi j'ai des sorts aussi comme ça, mais j'ai tellement plus de points de source. Ouais, bah du coup, il va falloir que j'en grappille de la source. Hein. Je me suis dit, bon, je l'utilise jamais, autant se faire plaisir un peu là, autant s'amuser. Ouais, c'est clair. Ouais. Y'a plus rien devant moi, je joue plus rien avec les effets. On est d'accord que moi, tour d'après, je te laisse. Enfin, je fais pas de feu pour laisser ton brise. Bah, moi je veux bien, ouais. Si la glace ne disparaît pas, si tu peux faire autre chose, ça me va. Ouais, moi je vais faire autre chose. Si tu peux taper le chevalier perdu là, histoire que. Parce que sinon il va m'intercepter, il va. Où est-ce qu'il est, madame? Ah, elle a disparu, c'est vrai. Attends, il est où, j'avoue. Ah non, bah de toute façon, je sais pas pourquoi il y a du sang à ses pieds et ça a viré la glace en fait. Mmh. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai tapé. Ah ouais, putain, il a le sang chaud lui. C'est qui? Ça fait tout fond. Donc tu comptes quand même le faire? Bah ça sert pas à grand chose, il est pas sur de la glace l'autre, donc il y a que la après plante. Peut-être que les éclats glace vont toucher, hein, j'en sais rien. Non, tu fais ce que tu veux, si tu veux faire ton feu, vas-y. De toute façon, moi en plus je suis à terre, je vais mettre un tour pour me relever. Bah oui, putain, quelle connerie ça aussi. Prochain tour, je me relève juste. Faut mettre des chaussures. Quelle merde ça. Et ensuite. Il est à 217. Ah, mais oui, j'avais mieux à faire en fait. Je suis con. Faut que deux. Alors, j'espère que ça va pas bugger la trajectoire. C'est la gueule. Yes! Oh là là! Oh, c'est beau! Heureusement. Perdu.
Bah, finalement, dans notre malheur, ça nous fait de l'XP tout ça. Oui. Voilà. Par contre, moi, j'ai la tête dans la glace, moi. T'es au frais. C'est vrai que t'es... t'es... Et t'as les pieds en l'air. Petit problème de texture. T'as les pieds qui... on en voit tout sur ce fight. C'est clair. On fait tout péter. Bon, ça fait 3 heures qu'on est en combat, et maintenant, quand on sort et qu'on pense être tranquille... C'est clair. Bon, tant qu'à faire, autant faire imploser la planète. C'est clair. On en voit tout. Il y a une race, autant toutes les tuer. Bon, vrai, est-ce que je vais taper l'ours? Est-ce que je suis... Je vais tuer celle-là après. Je n'étais pas d'accord. Hmm, je me disais si j'avais accepté le truc de l'arbre au cœur, enfin, l'arbre première là, si elle se trouve, celle-là aurait pas été d'accord et j'aurais dû la combattre après. Bon, ça m'aurait pas... Ah, mon grand regret. Non, non, parce que... Non, bah non. Elle se serait pas rendue compte, enfin elle aurait toujours été sous l'emprise en gros, non? C'est pas ça? Ouais, ah ouais, peut-être, ouais. Donc elle aurait pas été lucide pour ouais. Peut-être que t'aurais missionné de taper quelqu'un d'autre, de tuer des choses peut-être. À mon grand regret, je vais devoir aller taper l'ours. Ah, ce que je voulais... Ah bah ouais, mais c'est ma faute, j'ai pas annoncé. En planant. Que justement, moi je voulais faire merde mon truc de... Enfin, mon piège de feu ici pour quand elle vienne se prendre. Oula, oula. Non mais Darklou elle a pas grand chose d'autre à faire en plus. Bah... Oh mais la misère. Ah il est mort fort ce con. C'est une. Ah non mais il a beaucoup d'armure physique. Ouais par contre. Hein, Reveal yourself. Ah, ah elle, tiens, elle est là. Elle est là. Voilà mais elle a les mêmes sorts que moi. T'es en quoi toi? Ou alors à la potion moyenne de dextérité. Ah ouais la vache tout ce qu'elle a ouais. Poisson géant d'armure physique. Oh elle est résistante au feu, bah elle est résistante un peu à tout. Hein, mais... Oh là 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 là. Oh il s'est pimpé. C'est clair. Ah ouais, elle était. Elle s'est droguée. Attends. On lui dit rien, elle a plus beaucoup d'armes magiques. Oui. Bah bah écoute, hein, ma vieille. Elle a picolé de ouf. Un petit pack de 6. 6 potions, c'est ça. Un petit pack de 6, tranquille. Prochain level up, je mets tout en mémoire, moi. Ça y est. Allez, étourdi. Comme ça, tu joues pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le lézard. Ouais. Il se casse. Ah non, je peux plus se casser. Vas-y, bon. Vas-y, je vais le calmer. Voilà, voilà, voilà. Oh non, pas du feu, il fait chier. Je fais jamais sa secousse de... secousse des... du verre. Ah, je suis ami des nains, moi. Ami non, des elfes. Non. Putain, mais dis donc, je suis. J'ai beaucoup de copains quand même. Non. Dis donc. Je suis hors la loi, héros, ami des nains, ami des elfes. Hors la loi et héros, déjà, c'est un peu bizarre. La copine. Héros, hors la. Bah, t'as juste ici en fait, t'es Batman. I'm Batman. I'm Batman. Par contre, je vois pas notre barre d'XP, on l'a peut-être pas quand on est en combat. Ici, moi je la vois tout en bas. Ah oui, tout en bas, je suis con. Ouais, je cherchais le chiffre. Je vais juste à passer ma souris dessus, tout à fait. Ouais, ça commence à être long là, avec celui-là. Oh oui, l'ours. Oui, t'as mis au sol. Bon, si tu meurs contre un ours, c'est un peu. Oh là, il met des tartes dans le vide. Manqué alors que j'étais à terre. Bon, il a mis ce clic. Ah, ça touche. Ah, quoique, c'est. Ah, ça coûte 4, en fait, c'est tellement buffé là. Ah, je dis, elle a bien pas que par de contre, 6, de, par contre, dans un tour, elle perd toutes ses résistances. Je vais la cramer. J'en ai rien à foutre des forêts. Je savais tous. Bitches. Mais c'est trop ça. Là, je n'ai rien à foutre de la nature. De cramer. En fait, t'as un elfe noir, hein, dis-le. Y'a de la glace sous ses pieds? Ouais. Ok, parfait. Ouais. 900 et quelques, t'as mis. Oui, ça fait très très mal ce truc. C'est pour ça que des fois je vous dis, je veux faire mon enchaînement pluie, refroidissement climatique et...
brise-glace parce que ça fait des dégâts de fou. En vrai, je vais peut-être le congeler si j'ai la range. Ça me coûte que 3 PA. Je pense que je suis un peu long. Non, mais c'est bon. Qui ça, la Duna là? Non, non, l'autre. Non, mais lui, c'est bon, on s'en occupe, hein, t'inquiète. Hein, occupe-toi. Ouais, on va. Ah, il va soigner le con. Je peux 300. Et quand vous voulez, je peux le congeler. On va le calmer, t'inquiète. Non, mais il a encore coup de froid. Quoi? Flèche de bénite. Comment ça, flèche de bénite? T'as eu ça où? Je vais les mettre. T'as eu ça où? Ah, moi, je prends feu. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça te fait du bien, toi, t'aimes bien le feu. En même temps, t'es habillé avec des plantes, tu veux dire. On mettre des fringues. Ouais. Bon, après ce fight, on fait quoi, on stop? Ouais, est-ce qu'il a une rouleur? Ouais. Juste qu'on sorte de cette petite zone. Moi, je ferais bien un tour sur Albion. Ouais. Ça y est, là. Non, mais j'aime bien jouer à plusieurs en plus. Allez, je me fais mettre des tartes dans la gueule. Ah, franchement, je te dis, tu meurs contre un ours. Ah, en fait, le pire, c'est que je vois l'ours taper, mais je vois limite pas ta vie descendre, tellement t'es tanky, quoi. Enfin, ta vie descend, mais ouais, on fait rien, quoi. Bah, heureusement, parce que. Ah, en fait, les mobs ils sont tellement loin des uns des autres que j'ai du mal à suivre les troupes. Nous on gère un flanc pendant que. Voilà. Pendant que moi je tanque. Il a pété. Il a pété. Ah, c'est soigné. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'elle a ses PV là. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, mais elle est costaud. Oui, passe, t'as raison. Patate. T'as bien fait de mettre ta créature en magique. Ah bon. On a toutes les couleurs. Ouh, il reste un dot de potion d'armure magique et ça j'aime. J'ai déjà fait la créature de. C'est résiste. J'ai jamais fait de créature de poison pour tester. Si, on l'a déjà vu, je crois. Si, t'en as fait. Bah, ouais. Si, ça doit être rare. Ouais, on l'utilise pas vraiment. En tout cas, leur environnement a bien changé maintenant. C'est tout caca, brume. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est tout. Ouais. La forêt de Fangorn. Ah bah enfin voilà. T'es mort enfin. Bah, petite crotte de glace là. Petite crotte. La petite crotte glacée. Oui, c'est vrai que c'est marrant. T'as fait quoi? C'est de la glace bénite, chance de carapace magique qui augmente l'armure magique. Wow. J'ai vraiment devoir me déplacer à pattes là pour. Bah vas-y en pire. Quoi? Oh mais non, mais c'est naze. Je voulais rectifier après. J'ai pas utilisé la distance maximale que je pouvais avec mes 2 PA là, mais je voulais faire en deux temps pour esquiver le feu et du coup, putain, c'est trop con. Mal foutu ça. Nen, t'es bientôt morte non? Non, alors qu'elle a gagné quelques PV. Il reste 1300. Oh, bah, tape. T'es propre, tu meurs au tour suivant, c'est sûr. Moi qui ai canné. Ouais, il y en a une qui a. J'ai un esprit de source là qui est apparu. Ah oui, l'esprit du chevalier de Tyrus. Ah oui. Je veux bien sa source. Ah oui, mais qu'est-ce que ta vision spirituelle, je crois. Ah oui, c'est moi qui ai vision spirituelle, ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que ça fout d'activer ce truc? Ah, tu l'as peut-être lancé avant d'entrer. Yes. Va-t-elle mourir? 165. Je veux partout. F pyromane. Alors j'espère que j'ai la range, ce serait con. Faut que tu me fasses des dégâts magiques là. Oh, c'est quoi critique? Le pire c'est que je veux juste. Depuis tout à l'heure, même en fait, pas 5% je suis la victime. Des PV de victime. Vous pouvez venir m'aider. Oh, je suis loin. En vrai, t'es tellement léger que tu peux te débrouiller. Je suis un 15 bornes, donc moi je vais juste avancer. Vous pouvez me couler dedans. Bonjour. C'est vrai que c'est assez ridicule. J'ai bien avancé en vrai. Ah, on est en train de brûler aussi des marchandises de Duna. Enfin, de la prêtresse. Bah ouais, mais non.
crois tout éteindre. Allez Louz, mange-toi là, il est trop mal Louz. Voilà. On va en faire une descente de lit. Genre il y a ton totem qui regagne des PV quoi, tranquille. Ton totem de PV regagne du PV grâce au feu quoi. La base. Ouvre le quand même. Oh tiens, juste que ce soit utile. Et de la guérison d'une créature dimensionnelle. La pauvre ours, monte dans cette ronce là. The last standing quand même. Ça c'est la honte pour eux aussi, parce que... C'est un vous trois ça. Et soin. Hop, dans le huc du l'ours. Ouais. C'est tapé d'ici. Mais là, 800, vas-y, c'est mon tour, ça sert à rien. J'arrive. Merci. J'ai même pas fait gaffe que j'ai pas vu la vue. Nous sommes liés. Ouais. Il est trop chiant ce sort pour ça. Tu m'étonnes. T'as fait juste pour le spectacle. Mais moi c'est pareil avec mes flèches, vu qu'elles tirent en cloche, des fois quand il y a un petit toit, un petit porche, des fois elles se plantent dans le porche. Moi au contraire, moi c'est vraiment en full ligne droite, du coup... Ah, pour une fois, coup de froid à marcher. Ah oui. Incroyable. J'ai adoré comme t'as fait. Ouais... Ouais, mais c'est chiant. Ou parfois t'as juste un petit rebord de sol qui gêne pour toucher des gens qui sont en contrebas, et voilà, ça tape dans le sol, à mes pieds. C'est cool. Sort de merde. Allez. Vas-y. Tu vas. Yes. Bon bah j'ai parlé à Micheline moi. Au chevalier. Chevalier. J'ai tout fait avant, tiens. Oh, j'ai des frites. Je prends des frites. Des frites une fois. Ouais, il y a des trucs là. Ouais, je prends tout, on verra. Pas trop de choses. Alors, dialogue. T'as les poches pleines. Alors, ça dialogue. C'est qui narrateur? Bah, c'est monsieur Trump. Et le looter faux? Non, je rigole. N'exagère pas. J'ai vu un arc passer. J'ai tout pris là, rien à foutre. J'arrive. Faut arrêter de me faire chier. Il traîne ses poches par terre, il traîne. Le chevalier pousse un long soupir en contemplant son corps sans vie. Mon devoir est accompli. Adéide ? Non, très mal lu. Mon devoir est accompli, Adéide. Et vous, la voix de la divinité s'étend devant vous. Vite, hâtez-vous d'entrer à l'intérieur de l'académie avant que le cercle noir ne fasse davantage de morts. Mais il est con, quoi. Je m'en vais. En fait, c'est un gentil méchant, lui. Enfin... Mais c'est. Ouais, il est d'accord avec toi, mais il t'attaque, quoi. Ouais, mais enfin, je pense qu'il t'attaque parce que il sait que t'as tué l'arbre mère. Ouais, mais ouais, ça a l'air cool, on l'avait pas vu. Non, mais attends. Quoi? Non, mais attends, Henri, ça va trop te plaire ça. Ah ouais? Je t'envoie. Envoyé à le fauve. On l'avait même pas vu dans les trucs du marchand, je crois. Regarde le sort que je t'ai envoyé là. Éruption pyroclastique. What the fuck is that? Oh, c'est de la fusion. Ah, c'est un truc de géomancien. Pas pour moi. Ah ouais, c'est pas moi. Après, tu... C'est pour Henri, ça, du coup. Hop, je t'envoie l'autre aussi. Et moi, j'ai un truc de feu, là. Tu l'as sûrement déjà, Canette, mais... Oh, les dégâts! Entre 1000 et 1118 points de dégâts. ça, c'est pour toi, Darko, je crois. Ça aussi. Non.
Ensuite, j'ai des choses. Attends, déjà, je vais lire ça. Hop. Je mange... Mais c'est quoi ces arcs de merde? Je mange des frites. Je mange des frites. Alors, effectivement, il y a un arc. Bon, je te l'envoie, c'est bille, tu vois ce ouais, que tu veux. Ouais, si tu veux. De toute façon, faut que je dise. Vu les stats qu'il a. Il y a une hache à une... Alors, j'ai des items à vous communiquer. Vas-y. Alors. À commencer par une amulette. 148 d'armure magique. Plus 1 pyrokinésie, plus 1 géomancien, plus 1 éloquence et un emplacement de rune vide. Moi ça m'intéresse. Personne d'autre ? Non, ouais, vas-y, prends, je devrais sacrifier un point d'évocation sinon. Ok. Une hache à une main. 54, 63 de dégâts physiques, mais je sais pas si c'est pas. J'envoie à Loz, parce que ça donne plus de force, ça n'intéressera personne d'autre. Darklou te regarde. Alors, une armure de poitrine, qui requiert 14 d'intelligence pour l'équiper. 61 armure physique, 318 armure magique, plus 2 force, plus 10% résistance au feu, plus 1 géomancien, inflige coup de froid au contact, et un emplacement de rune vide. Personne ? Non. Ben, ce serait moi, mais il faut que je vois ce que je perds et ce que je gagne. Parce que. Perds des trucs. Enfin, là, je perdrais mes plus de consti. Tu veux que je t'envoie et tu regardes ? Ouais, il faut que je compare. Ok, un pantalon. Il faut 14 de force pour l'équiper. 221 d'armure physique, 45 d'armure magique, plus 2 constitution, plus 10% résistance à l'air, plus 1 persévérant, plus 3% esquive. J'ai pas assez de carac. Moi, j'ai pas assez de force non plus. 221 physique, 45 magique. Non, c'est pas mal, mais sinon ça va me tromper aussi dans l'armure magique, et déjà que j'en ai pas beaucoup. Bah, je vais te l'envoyer quand même parce que je suis sur charge. Oui, oui. Et puis une masse à deux mains. Mmh. Je te l'envoie et tu regardes. Mmh. Dis à toi que ça peut intéresser. Tu prends combien de. Ah oui, tu prends 7% de vie par point de constit, c'est ça? La force, je m'en fous, moi. Du coup, c'est vrai que j'avais oublié, moi, ce détail. C'est vrai qu'il faut que je m'en serve de ça. Grenade divine, c'est fou, ça. C'est vrai, du coup, je vais virer mon sort de blizzard de fou, là, et je vais remettre mes autres sorts. Quand ils te disent que la force te donne plus 5% de dégâts par point, c'est genre sur tes sorts aussi? Ça a rien à voir. Non, ça a rien à voir. Que quoi? La force te donne par point que tu mets dedans 5% de dégâts, mais c'est que quand tu tapes avec une arme, ça. Oui. Ouais, c'est... Quand oui, tu tapes, oui, c'est corps à corps. Ouais. Ouais, c'est l'intel qui fait les dégâts de machine. Ouais. Faire le test, hein, si je fais ça. Excellent. Je perds un peu plus de 100 points de vie, je gagne de la force, mais on s'en fout. Je gagne du géomancien. Ouais. Oui, je t'ai juste envoyé quelques trucs pour m'alléger un petit peu. Ouais, je vois des arcs arriver à tirer à l'arigot. En termes d'armure, ça me fait quoi? Moi, j'ai plus de magie. Mais je perds. Ouais, je perds quand même 200 millions. Oups, c'est ça que je fais. Ouais, bah écoute, on va tester comme ça. Y'a un autre skin pour le coup, mon perso, ça fait chelou. Mais... Attends, moi je vois pas là. Il fait gladiateur comme ça. C'est un peu. Et
Et qu'est-ce que t'en... Il faudrait... Du coup, moi j'avais dit tir en contre-attaque où je vais dire. Est-ce que quelqu'un a... comment ça s'appelle, les petits trucs que tu peux mettre sur les armures et tout. Les runes ? Les runes. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une rune sympa pour le torse, du coup ? Ou qui traînerait dans son inventaire ? Alors, Rune, où est-ce qu'elles sont ? Est-ce que des résistances à certains types de dégâts, ça t'intéresse ? En gros, ça, c'est ça sur les poitrines, sur les trucs de poitrine. Ouais, ça sert toujours. Hein. Parce que moi, j'ai une orbe ensorcelée qui me fait nettoyage des blessures de groupe. Mais je sais pas, c'est plus ce qu'il faut pour le faire, ça. Tu peux le récupérer, hein, s'il faut. Sinon, moi, j'ai armure physique maximale plus 17%. Une rune qui fait ça. Alors, nettoyage des blessures de groupe, faut un point de source et 2 PA. Non, je tombe. Moi, je veux bien la rune que tu as dit. Que moi, j'ai dit ? Mmh. Bon, je okay. sais que j'en ai dans mon inventaire, j'arrive pas à les retrouver comme ça. C'est mon bordel. Y'a trop de trucs. C'est pour quelle pièce t'as dit d'armure ? Torse. J'ai résiste dégâts de poison 7%. Non, je préfère celle que Pidgey a dit là pour ajouter ouais. du pourcentage. De... Ah merde, je me suis trompé, c'est pas celle-là. Hop, ça va dire se voir. Merci. Ah merde, je sais même plus comment on l'équipe. C'est pas comme ça. Comment on fait pour mettre une rune, je sais même plus. Avec clic droit sur l'objet, gérer les runes. Ah oui, tout simplement. Merci. Cool, ça me fait... Ok, 1006. Ouais, bah j'ai un peu équilibré mes armures, on va dire. Un point de géomancien, mais je perds ouais, je perds deux constites, mais je gagne deux forces, mais la force, ça ne sert à rien. Pour porter plus de trucs. Est-ce qu'on fait un stop là, du coup ouais, ouais. Je pense que tu peux sauvegarder. Et moi, je réfléchirai la prochaine fois, peut-être pour... Il faudrait que je vire trois sorts pour prendre un des sorts de source. Trois sorts que j'utilise jamais. Ah, c'est vrai que moi, en source, bah je vais pas le bouffer lui, du coup, il est pas méchant, mais... Chier. Il est pas méchant, c'est con, il nous a attaqué pour... Ouais, j'ai pas compris du coup la logique du truc, ouais. Mais... Bah c'est un peu le truc de... Il a suivi les ordres, quoi. Vous aviez bu toute la source, là-haut, là ? Oui, je sais pas. Ouais. Là d'où on est ressorti ? Elle a pris la paille, là. Ok. Elle a tout bu. Et vous avez mon déco, ouais, ici. Un petit style, ouais, avec ma nouvelle armure. Ouais, fais voir. Au pire, tu peux prendre l'esprit de l'évêque d'Alexander. Ah oui, il est où ? Je sais pas, je l'ai vu quelque part sur la map quand je me baladais avec la caméra pour retrouver des flaques de source. Pour alors toi. Lui, je veux volontiers le bouffer, lui. Il doit être là. Ah, attends, où je vais passer ? Ouais, c'est bon. Il est tout en haut. Ah oui, Alexander, je veux bien le bouffer, c'était un cœur. Quoique non, j'avais dit justement, je vais assez tranquille, mais non, je vais en profiter. J'ai soif, là. Pour des raisons pratiques. Il est pas là ? Oui. Si, je l'ai vu, moi. Enfin, je l'ai vu, il était en hauteur sur une plateforme. Oui. J'aurais bien imaginé par là, moi. Ah, oui, il est là. Ah oui, c'est vrai, ouais, oui, il était mort en haut. Coucou. Je pensais que te laisser souffrir pour toute l'éternité, mais en fait, non. J'ai besoin de ton énergie vitale. Hop, allez, ciao. Finalement. Bon, voilà, encore une zone qui a été contente de pouvoir passer. Effectivement. La destruction, la remercie. Fais pas le con, j'ai pas sauvegardé. Je vais vous boire. Je crois qu'on peut pas se voler à la source. On sauvegarde avant ou après. Oui. Et n'oubliez pas, je sauvegarde deux fois, donc attendez. Ouais. Et faut attendre le sauvegarde réussi. Ouais, attendez, c'est pas fini.
pourrais pas, je suis à fond. Alors nous, moi je peux peut-être alors. Les effets sont stylés dans le jeu quand même. Ça marche ? Non, absorption bloquée par un magique. Ah d'accord, c'est... Oh mais ça, ça s'arrange ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Exact là. Ça spam, j'entends que ça spam de ouf. Ah c'est bon, on peut le bouffer. Vas-y go Kenneth, il a plus d'armure magique là. Ah putain mais il est con mon perso, j'ai demandé de cliquer sur Henri, il a pas cliqué dessus. Yes. Il réussit le Lucas. C'est vrai. Ok. Allez salut. Comment ça tu m'as... Oh faut que je vois ce qu'ils ont eux. Comment ça combat? Et hop. Je suis en combat avec tu arrêtes. T'es en combat? Ouais, ouais, c'est ouais. Moi, soudainement j'ai eu un truc combat. Oh ils ont de l'armure mais... Oh ils ont pas d'armure magique. Ouais, c'est Kenneth qui est parti se fight en bas. Hein. Ouais. Ah! Ah mais putain mais c'est ce qu'il y a encore des gens qui ont... Ah oui mais il y en a partout des gens. Oh non! La prochaine session on va devoir encore se taper avec tout le monde. Bah non mais pas forcément pour sortir de là. C'est juste parce qu'on faisait des conneries donc tiens. J'aurais trouvé ça cool que les démons et tout ça aient des compétences un peu différentes plutôt que les compétences de l'arbre. Normal. Ça c'est quoi de l'eau et de l'électricité maudite en fait. Bordel. Bon merde, je voulais faire péter ma glace et ça m'a mis un combat. Hop. Il y a rage quitte. Au revoir. Non, il est tard pour vous, non? Ouais. Ok. Ouais. Allez, on joue à football manager. Ok, allez, moi je voulais proposer un donjon, un petit donjon Albion. Je suis pas encore là, j'ai la peine d'arriver en ville. Ouais, mais en vrai, on peut t'embarquer avec nous, hein, c'est pas un souci. Hein. Non, moi j'ai... Ok, bah petite... Merci aux personnes d'avoir été là, merci aux gens qui regarderont la rediff, et puis rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Voilà, on a castagné des gens, on a buté de tout le monde comme d'hab, et voilà. Voilà ce qu'on a fait. Un pas de plus pour partir en délire. Comme d'hab. Comme d'hab. Ciao, ciao. Allez. Bon, au revoir.